Donc, j'en profite pour finir les présentations par moi. Donc, je suis Roselyne Falippe. Je suis en charge du développement du pass culture pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse. Donc, je suis basée sur notre région. On est une petite équipe basée en région PACA. Pour l'instant, nous sommes deux. Et puis, j'espère que c'est une équipe qui va pouvoir se renforcer. Donc, nous sommes vraiment le relais pour vous, acteurs culturels. Dans tous les domaines de la culture, les relais autour de ce dispositif, votre porte d'entrée si vous avez des questions sur le dispositif, si vous souhaitez vous en emparer, si vous souhaitez mettre en place un projet en partenariat, vous verrez qu'il y a différentes façons d'utiliser le dispositif. Et nous sommes également le relais d'autres acteurs comme les relais jeunesse également sur les territoires, donc les universités, les missions locales. Les services jeunesse des collectivités, tous les acteurs qui pourraient mobiliser les jeunes qui se réunissent autour de ce dispositif. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer alors par une présentation un peu globale du dispositif, sous alors ces deux axes que j'ai évoqués tout à l'heure, et puis ensuite on passera dans une phase un peu plus pratique avec vraiment un focus sur la lecture et les bibliothèques sur le Pass Culture et les différentes façons d'utiliser ce dispositif en tant que bibliothèque. Le Pass Culture, donc, c'est un dispositif qui a émergé en 2019 lors d'une phase d'expérimentation assez longue qui a duré quasiment 2 ans. C'est ce qu'on appelle un grand projet d'État qui est développé par une société, qui est la société Pass Culture, qui est une société qui a été créée par le ministère de la Culture, qui est aujourd'hui sous la tutelle du ministère de la Culture et qui a pour unique ambition de développer ce grand projet qui donc est un projet à destination à la fois des jeunes grands adolescents et jeunes adultes, et des acteurs culturels qui souhaiteraient s'adresser à ce public jeune, renforcer leurs actions en direction de ce public jeune ou renforcer leur communication vers ce public, donc de grands ados, jeunes adultes. C'est un dispositif qui est présent dans toutes les régions de France, également dans les DOM-TOM, avec donc des chargés de territoire dans toutes les régions de France qui ont les mêmes missions que moi et qui sont en contact avec les acteurs culturels sur les territoires. C'est un projet qui se concentre autour d'une mission essentielle qui est de renforcer et de diversifier les pratiques culturelles de ces grands adolescents et jeunes adultes à travers aujourd'hui deux axes qu'on appelle deux volets. Un axe qui est individuel, qui s'adresse donc individuellement aux jeunes du Pass Culture, et un axe qui est collectif, qui s'adresse aux établissements scolaires, qui sont donc en lien avec ces jeunes qui sont éligibles au dispositif. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer par la partie qui est donc individuelle, qui est une partie qui s'adresse vraiment en direct aux jeunes utilisateurs du Pass Culture, qui sont donc aujourd'hui des jeunes de 15 à 20 ans, qui sont présents donc sur l'application. Et ensuite, on passera dans une seconde partie à la part collective, donc c'est la part qui s'adresse aux jeunes dans le milieu scolaire. Alors, la part individuelle, je vous propose de commencer par une petite vidéo. J'espère que le son va fonctionner. On va voir tout de suite si ça marche. Voilà, je remets mes écouteurs, je vous entendrai mieux et mon micro sera de meilleure qualité. Donc c'est un petit clip en fait qui a été réalisé pour ces jeunes donc qui sont bénéficiaires du Pass Culture aujourd'hui et qui donc qu'on invite
à rejoindre le dispositif, ces jeunes donc de 15 à 20 ans qui sont éligibles au dispositif. Slide suivante. Donc le dispositif Pass Culture, il prend une première forme qui donc s'adresse directement à ces jeunes, qui est celle d'une application que vous pouvez télécharger. D'ailleurs, si vous souhaitez la télécharger en direct, vous pouvez le faire vous-même. Donc il suffit de chercher Pass Culture sur son téléphone mobile et c'est parmi les premières applications qui vont apparaître. C'est une application qui est ouverte à tous, mais qui est vraiment dédiée à la jeunesse. Dédiée à la jeunesse parce qu'elle porte du contenu qui s'adresse aux jeunes de 15 à 20 ans, du contenu culturel. C'est une application qui est géolocalisée. Donc, sa force principale, c'est vraiment de mettre avant tout en valeur les propositions sur le territoire et d'accompagner les jeunes bénéficiaires dans leurs déplacements sur les territoires. Elle est géolocalisée puisqu'elle va mettre en avant les propositions culturelles autour des jeunes pour inviter les jeunes donc, à avoir une meilleure connaissance des propositions de proximité, des acteurs culturels de proximité ou revenir dans des lieux culturels qu'ils ne fréquenteraient plus. Sur cette application, ces jeunes bénéficiaires vont retrouver à la fois des offres gratuites et des offres payantes, donc des propositions culturelles gratuites et des propositions culturelles payantes qui sont directement mises en ligne par des acteurs culturels via une plateforme que je vous présenterai. Et donc, ils peuvent réserver sur cette application ces propositions, en prendre connaissance et les réserver. Et pour les propositions qui seraient payantes, les jeunes se voient attribuer un crédit virtuel donc qui est chargé sur leur application, qui leur permet de réserver donc, les propositions payantes. Alors, je vous ai mis le détail du crédit en dessous. Donc, vous voyez que selon l'âge en fait, du jeune utilisateur, le crédit n'est pas le même. L'objectif est de sensibiliser peu à peu les jeunes à l'application, donc de les accompagner jusqu'à leurs 18 ans dans la prise en main de l'application. Et à 18 ans, donc chaque jeune de 18 ans, scolarisé ou non sur le territoire, résidant légalement depuis au moins un an en France, peut se voir attribuer un crédit de 300 euros. 300 euros qui leur permettent de réserver un certain nombre de propositions de façon très libre sur l'application. C'est-à-dire que contrairement à d'autres dispositifs, il n'y a pas de plafond par secteur culturel, par catégorie culturelle. Si un jeune de 18 ans souhaite utiliser 250 euros pour acheter un instrument de musique dans un magasin de Gap, il peut le faire par exemple. Il peut vraiment disposer de son argent de façon très libre dans toutes les catégories culturelles puisque sont représentées aujourd'hui sur l'application toutes les catégories ou tout du moins nous souhaitons qu'elles soient toutes représentées et selon les territoires elles sont plus ou moins présentes aujourd'hui. Un seul plafond existe tout de même sur certaines offres numériques puisque donc les jeunes peuvent retrouver également sur l'application des accès à des plateformes culturelles, des plateformes de contenu culturel, de streaming vidéo, de musique, de l'accès à de la presse en ligne, dont certains accès peuvent être payants. Et donc, ces offres-là sont limitées à 100 euros. Les jeunes ne peuvent pas réserver plus de 100 euros de ces propositions sur l'application. De même qu'ils ne peuvent pas réserver plusieurs fois la même offre. De façon générale, quelle qu'elle soit, ils ne peuvent pas réserver plusieurs fois la même proposition pour les encourager, là encore, à diversifier leur pratique culturelle. Alors, aujourd'hui, cette application, on peut dire qu'elle est très largement plébiscitée par les jeunes. Nous avons 1,6 million de jeunes inscrits à ce jour sur l'application, dont la majorité, donc environ 1,2 million, sont des jeunes de 18 à 20 ans. Pourquoi des jeunes de 18 à 20 ans? Parce que ce sont les premiers jeunes qui ont été éligibles au dispositif. En mai dernier, l'ouverture du Pass Culture s'est dirigée dans un premier temps vers ces jeunes-là. Donc tous les jeunes de 18 ans ont pu se créer un compte. Ils se sont très largement appropriés l'application et se sont recommandés sur les réseaux sociaux. Et donc très très rapidement, ces jeunes de 18-20 ans étaient très bien représentés sur le dispositif. Je vous montrerai les chiffres dans les Hautes-Alpes, mais vous verrez qu'ils sont très, très encourageants aussi. On a une très bonne inscription des jeunes aussi sur le département. Et peu à peu, depuis ce mois de janvier, les jeunes de moins de 18 ans
peuvent également s'inscrire sur l'application, donc les jeunes de 15, 16 et 17 ans, qui ont reçu des informations à la fois dans la presse, dans les médias, mais également dans les établissements scolaires pour pouvoir s'inscrire sur le dispositif. Donc, ils sont un peu plus de 600 000 à s'être inscrits donc depuis le mois de janvier. Et peu à peu, ils rejoignent donc le dispositif également. On considère qu'aujourd'hui, il y a environ 2,5 millions de jeunes qui pourraient rejoindre le dispositif. Et à la fin de l'année 2022, près de 4 millions de jeunes. Donc, si on cumule tous les jeunes qui donc fêtent leur 15, 16, 17 ou 18 ans, ce sont près de 4 millions de jeunes qui pourraient être inscrits sur le dispositif à la fin de cette année. Côté partenaires culturels, nous avons aujourd'hui 13 000 partenaires culturels dans toutes les régions inscrits sur le dispositif, dans tous les champs de la culture. Partenaires culturels qui peuvent être associatifs, qui peuvent être entreprises ou qui peuvent être collectivités. De même que nous avons donc un peu plus de 8 millions de réservations qui ont déjà été effectuées par les jeunes et qui ont été validées. Donc, ce sont des jeunes qui ont réservé, qui ont déjà retiré leurs livres en librairie, qui sont allés au spectacle, qui sont inscrits à un cours de pratique artistique, etc. La seconde force de ce dispositif, c'est la volonté de mettre vraiment en autonomie les acteurs culturels sur les propositions qu'ils souhaitent faire sur l'application. Et pour ça, ce que nous avons créé, c'est une plateforme qui est une plateforme qui vous permet de prendre en main l'application et de renseigner l'ensemble des propositions que vous souhaitez mettre en avant donc sur l'application. Cette interface, elle est vraiment dédiée aux acteurs culturels. Chaque acteur culturel peut se créer un compte sur cette interface et peut donc faire le suivi des propositions qui sont faites aux jeunes. C'est un outil qu'on cherche à enrichir également, mais c'est un outil qui est riche, cette plateforme, parce qu'elle donne également énormément d'informations sur les pratiques et les usages culturels des jeunes utilisateurs, qui sont des jeunes de 15-20 ans qu'on retrouve peu hein, dans nos structures culturelles. Donc, on sait, il y a eu très peu d'études aussi sur les jeunes de cette tranche d'âge. Et je vous montrerai quelques chiffres intéressants que nous avons sur l'utilisation du pass qui sont assez instructifs sur les envies, les goûts de ces jeunes, donc leurs appétences qui sont parfois assez surprenantes. Donc, sur cette interface, tout acteur culturel peut s'inscrire, de même qu'une collectivité peut également se créer un compte. Donc, nous avons un certain nombre de collectivités qui sont aujourd'hui inscrites sur le dispositif. Par exemple, la commune de Gap a créé un compte sur la plateforme Pass Culture. Et à l'intérieur de ce compte, peuvent être référencés l'ensemble des établissements de la collectivité. Donc, je vous montrerai des exemples très concrets tout à l'heure du fonctionnement en collectivité, mais vous verrez donc qu'on peut également avoir des comptes partagés portés par une structure juridique, comme une collectivité, mais ça pourrait être également une association qui administre plusieurs établissements. À l'intérieur de ce compte sont renseignés l'ensemble des lieux culturels qui sont administrés, et ce compte peut être co-géré par l'ensemble des établissements culturels d'une même entité juridique. Excusez-moi, une question là-dessus, justement sur le fait qu'on soit collectivité, qu'on ait le même numéro de SIRET, est-ce qu'on a l'obligation de s'inscrire sous le même compte finalement, en déclinant chaque établissement culturel, ou est-ce que chaque établissement culturel peut entrer sur sa collectivité en tant que référence, mais être indépendant? Alors, vous serez automatiquement rattaché au compte initialement créé, puisque le compte est porté par le SIRENE. Après, je vous montrerai, en fait, à l'intérieur d'un compte, les établissements sont bien distincts et il est possible donc de ne gérer que son établissement, d'avoir finalement un espace qui est dédié à son établissement. Et cet espace de la collectivité peut être accessible par plusieurs personnes et même par plusieurs mails différents. Donc, on peut se créer plusieurs accès, même en tant que bibliothèque, par exemple, si un compte a déjà été créé par une collectivité, si vous essayez d'en créer un nouveau,
vous serez forcément rattaché au compte déjà existant, mais vous serez très autonome dans la mise en ligne de vos propositions. D'accord. On n'a pas besoin de se coordonner forcément au départ pour avoir les mêmes mots de passe, les mêmes... Non, non, on n'a pas besoin de se coordonner. On a souvent même des exemples dans certaines collectivités où certaines structures ont souhaité s'inscrire et finalement se sont rendu compte à l'inscription qu'il y avait déjà un compte existant qui avait déjà été créé. Non, non, il n'y a aucune obligation et le compte peut être aussi bien créé par la direction de la culture que par un des établissements de la commune. Je vous montrerai deux exemples, par exemple, sur Aix-en-Provence, où le compte a été d'abord créé par la direction de la culture, avec l'ensemble des établissements référencés, et sur la commune du Toulon, où le compte aujourd'hui est uniquement géré par la bibliothèque. Merci. De rien. Second axe de travail qui est aujourd'hui très important pour nous également, c'est la construction de projets en partenariat avec vous, acteurs culturels, puisque donc sur le dispositif Pass Culture, vous êtes bien sûr libre de proposer des actions en direction de vos publics, soit des actions que vous conduisez déjà, soit proposer de nouvelles actions pour les 15-20 ans. Mais aujourd'hui, nous développons de plus en plus des actions en partenariat également avec les acteurs culturels, qui sont des actions exclusivement dédiées à ces jeunes utilisateurs du Pass Culture. Je vous propose ici un petit exemple de proposition qui est mise en œuvre, qui a été mise en œuvre l'année dernière et puis qui est reproduite cette année avec le Festival d'Avignon, qui s'adresse exclusivement aux jeunes du Pass Culture. Et donc là, c'est un exemple donc, qui a lieu l'été dernier de parcours qui donc, a réuni une vingtaine de jeunes du Pass Culture lors du Festival d'Avignon. Un parcours un petit peu plus qui a permis à ces jeunes donc, d'avoir une expérience un peu extraordinaire au sein du festival. Alors, je vais retirer mon micro pour que vous puissiez entendre le son. En fait, Roselyne, on n'entend pas. Vous entendez pas? Non, 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 ils ont l'air amorphes, comme toutes jeunes. Parce que du coup, comme la bande passante n'est peut-être pas très, très bonne. Ouais, je vous enverrai de toute façon le PowerPoint et les vidéos et je vous enverrai les liens. Peut-être tout à l'heure, si on fait une petite pause, je vous enverrai les liens. Et du coup, les jeunes ont été reçus par qui? Alors, je vous explique. Donc, l'idée, c'est de proposer en fait, des parcours qui allient une rencontre avec les équipes artistiques. Donc là, les jeunes étaient rencontrés Thiago Rodriguez, qui venait d'être présenté comme le futur directeur du Festival d'Avignon. Et ont pu donc visiter également les coulisses de la cour d'honneur du Palais des Papes et le soir même, donc, accéder à une représentation dans le même lieu. L'objectif de ce parcours, mais d'autres projets que nous organisons vraiment avec les acteurs culturels, c'est de permettre donc à des jeunes qui utilisent le Pass Culture de rentrer en contact avec les acteurs de la culture, qu'il s'agisse d'artistes, mais également d'acteurs culturels dans le cadre de rencontres métiers, de comprendre vraiment le fonctionnement d'un lieu culturel aujourd'hui. Ces jeunes sont vraiment très en demande d'avoir un accès aux coulisses des lieux culturels. C'est de pousser la petite porte, en fait, et de voir comment ça se passe derrière. Et donc, ce sont vraiment des propositions que nous construisons de plus en plus. Et l'intérêt de ce dispositif aujourd'hui est notamment la très grande présence de ces jeunes sur le dispositif et de pouvoir justement pousser ce type d'action en termes de communication
pour s'assurer donc un certain nombre de jeunes réservent ce type de proposition et y ont accès, ne serait-ce qu'en termes de connaissances. Donc, c'est des propositions qui fonctionnent aujourd'hui très, très bien. Et donc, nous, que nous poussons à travers différents outils de communication. On envoie des notifications aux jeunes, on leur envoie même des SMS pour qu'ils puissent donc s'inscrire, et ça fonctionne extrêmement bien. Dernier axe, je vais juste revenir là-dessus. Donc, à travers, au-delà de ces propositions un peu exclusives qu'on construit, dernier axe qui nous est cher aujourd'hui au sein du Pass Culture, c'est la valorisation des propositions gratuites sur l'application. Dans un premier temps, nous avons énormément de propositions payantes. C'est normal, c'est là aussi c'était le grand atout du dispositif qui a été très largement mis en avant. Mais aujourd'hui, nous avons réellement envie de valoriser également toutes les propositions gratuites qui sont proposées sur les territoires pour deux raisons. Dans un premier temps, bien sûr, la connaissance qu'on pourra apporter à ces jeunes autour de ces propositions, la communication qu'on pourrait faire autour de ces propositions. Ces jeunes également, une fois qu'ils ont dépensé leur crédit, nous souhaitons qu'ils continuent à utiliser l'application pour avoir connaissance des propositions sur les territoires. Donc là, les propositions gratuites ont vraiment toute leur place. Et aussi, suite à une étude que nous avons réalisée auprès des jeunes utilisateurs du Pass Culture, nous avons compris que ces jeunes étaient particulièrement intéressés également par les propositions gratuites. Ils les recherchent sur l'application et environ 20% des propositions qu'ils réservent ou en tout cas qu'ils consomment sur l'application sont des propositions gratuites. Donc on a vraiment tout intérêt aujourd'hui à renforcer la place des propositions gratuites sur l'application sur tous les territoires. Ok. Quelques chiffres du coup sur l'utilisation justement de ce dispositif au niveau national, puis je vous montrerai au niveau local. Le grand gagnant aujourd'hui du dispositif, c'est vraiment le livre. Donc, on constate sur vraiment l'ensemble des régions que les jeunes utilisent environ la moitié de leur crédit pour acheter des livres. Donc, c'est un peu plus, 53%. Aujourd'hui, c'est un petit peu en train de bouger avec le renforcement d'autres propositions sur le dispositif. Mais les jeunes utilisateurs du Pass Culture sont des grands lecteurs. Donc, 53% des réservations en termes de crédit concernent le livre. Ensuite vient le cinéma. Les instruments de musique, et ça c'était une plus grande surprise, donc les jeunes utilisent aussi largement le dispositif pour acheter des instruments de musique. Et la part liée aux concerts et aux spectacles augmente peu à peu pour plusieurs raisons, parce qu'elle était peu présente aussi jusqu'ici sur l'application. Aujourd'hui, il y a énormément de festivals qui reprennent cette année, par exemple. Les programmations dans les salles de spectacle vivant aussi ont repris cette année, et donc les jeunes peu à peu commencent à s'y intéresser, notamment la part réservée aux concerts est en train de monter sur beaucoup de territoires. Vous voyez qu'en termes de profil des bénéficiaires aussi, donc jusqu'ici nous avions énormément d'étudiants, et nous avons aujourd'hui de plus en plus de lycéens donc, qui s'inscrivent sur le dispositif depuis l'ouverture du dispositif aux moins de 18 ans. Donc, la part des lycéens va aussi continuer à augmenter. Dans les Hautes-Alpes, aujourd'hui, je vous propose donc un petit focus. Nous avons un peu plus de 2000 jeunes inscrits sur le dispositif. 2000 jeunes inscrits qui se retrouvent essentiellement dans la part 18-20 ans, où en décembre dernier, un peu plus de trois quarts des jeunes éligibles au dispositif sur la part 18-20 ans s'étaient déjà inscrits. Donc, les jeunes de 18 ans dans les Hautes-Alpes étaient très largement inscrits sur le dispositif. Je vous ai mis une petite carte où vous voyez donc en bas à droite, c'est le taux de couverture par département. Donc, le nombre de jeunes de 18 ans qui se sont déjà inscrits sur l'application. Et on voit que sur le département des Hautes-Alpes, ça a très, très bien fonctionné très vite. Il y a énormément de jeunes qui se sont inscrits sur le dispositif. Toutefois, on a peu de lieux aujourd'hui inscrits sur le département. Alors, 16 lieux actifs, ce sont les structures juridiques en fait qui portent les lieux. En fait, il y a un peu plus de lieux, notamment lorsqu'une collectivité s'inscrit, elle recense tous ces lieux. Donc, aujourd'hui, on a en fait une trentaine d'entités, d'établissements culturels référencés sur l'application.
ce qui est tout de même assez peu, et qui se concentre essentiellement sur les grandes, bien sûr, les grandes agglomérations. Un nombre de validations, de réservations validées qui est quand même très correct. Donc, les jeunes vraiment qui sont inscrits utilisent l'application. Ils achètent, comme sur d'autres régions, dans un premier temps, du livre. Donc, 50% du crédit utilisé concerne le livre. Ils vont beaucoup au cinéma aussi. Des instruments de musique qui fonctionnent très bien. Et ensuite, vous voyez les autres catégories qui se partagent donc, en termes de représentativité et qui, là aussi, on est sur des chiffres assez similaires par rapport au niveau national. Et le lieu le plus fréquenté, qui est la librairie de l'Artefact à Gap, qui me semble être une librairie tournée autour de l'imaginaire. Donc, ils proposent des mangas, des livres de fantasy et de la littérature jeunesse. Rosine, je crois qu'il y a une main levée. Oui. Ah, je ne la vois pas. Allez-y, bien sûr, prenez la parole. C'était Corinne. Alors, je ne sais pas si c'est la main levée de Corinne tout à l'heure. L'actualité où c'était tout à l'heure, c'était juste par curiosité pour savoir sur quel. En fait, les achats de livres, qui représentent 50%, est-ce qu'ils sont faits sur des plateformes type Fnac, Amazon, ou est-ce qu'ils sont faits en librairie directement? C'est, alors, ça dépend des territoires, mais dans les Hautes-Alpes, c'est très partagé. Ce qu'on constate de façon générale, c'est qu'à partir du moment où il y a une librairie indépendante qui est plus accessible qu'un grand réseau, les jeunes vont dans la librairie indépendante. Donc, ça se partage souvent moitié-moitié. Donc, 25% de ces 50% sont faits dans les grands réseaux et 25% dans les librairies indépendantes. Il faut savoir que l'envoi de livres n'est pas possible sur le pass culture. Donc, les jeunes sont obligés de se rendre dans le lieu culturel, dans la librairie, pour retirer leurs livres. Donc, les librairies indépendantes sont très largement, oui, fréquentées par les jeunes du dispositif. Parce que les jeunes privilégient la proximité de façon générale. Rosine, une question. Est-ce que dans les. Alors, peut-être que vous l'avez dit déjà, mais est-ce qu'il y a des bibliothèques ou pas dans les 16 lieux actifs? Il n'y en a pas, c'est ça, hein, dans les Hautes-Alpes? Non, il n'y en a pas dans les Hautes-Alpes. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est le livre en fait qui arrive en pole position. Ouais. Or, nous, comme les librairies, on a du livre et qui est gratuit. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrive en fait peut-être à se dire que, non pas à concurrencer parce que c'est un bien grand mot et puis ils n'ont pas les mêmes objectifs les libraires, mais trouver une complémentarité en fait en termes de com par rapport à ce que fait. À ce que font les librairies et ça vaut peut-être le coup en effet de réfléchir à une espèce de campagne où on dit bah ouais vous aimez les livres vous avez envie d'en acheter mais sachez que nous bibliothèque bidule machin on peut t'en proposer et en plus c'est gratos, enfin peut-être trouver un truc aussi par rapport à ça qui peut être intéressant parce que on est quand même un point de proximité pour beaucoup. Que bien évidemment il existe des librairies de proximité mais que globalement en fait surtout dans les territoires ruraux ça se concentre, mais c'est pas uniquement le cas ici hein, mais ça se concentre beaucoup dans les villes et que se mettre en complémentarité en disant avant d'aller chercher ton bouquin que t'as payé à l'Artefact passe nous voir parce qu'on a plein de choses à te proposer. Exactement. Voilà, je pense que c'est peut-être ça aussi qu'il faut qu'on trouve en fait un degré de com avec eux où on peut mettre en valeur le fait que nous aussi, on a des choses, qu'en plus, c'est gratuit. Même si on peut avoir des abonnements payants, mais pour la plupart des jeunes, souvent, c'est gratuit. Voilà, peut-être réfléchir à ça aussi sur nos territoires en disant, coucou. Enfin, il faut faire un peu de... Comment dire de teasing, en fait. Moi, je me rappelle quand j'étais aux États-Unis, en dehors des publicités qui étaient faites, il y avait toujours le cliché qu'on connaît, qu'on voit dans les motels, dans les films, c'est-à-dire chez Harry, chez Peter, chez Carrie, où vous avez des espèces de gros, grosses enseignes lumineuses qui existent encore,
où du coup, alors maintenant c'est des écrans plats, hein, mais dans les rues américaines, les grosses villes, mais du coup ça marche en fait. Alors je ne vous demande pas non plus d'avoir un gros panneau électroluminescent, mais de trouver en fait, y compris sur le web, des choses qui peuvent attirer un peu le regard et qui font qu'on est visible. Et c'est vrai que voilà, je pense qu'en termes de com', on a un gap, pour ne pas faire un mauvais jeu de mots, à monter en fait. Donc ça reste à réfléchir ouais. avec les collègues de la com' de nos collectivités, ou alors nous, si on a la main directe sur nos réseaux. Enfin voilà, je pense que du coup, on peut aller taper la porte aussi des collectivités sur ça. D'ailleurs, sur ce point-là, je peux vous faire un petit focus sur la lecture sur le Pass Culture pour vous expliquer un petit peu aussi quel livre lisent les jeunes sur le dispositif. Et on va voir que c'est en fait assez… Alors, il y a des choses qui sont bien sûr assez évidentes et d'autres qui le sont moins. Donc ces livres que utilisent les jeunes, que réservent les jeunes sur le Pass Culture, ces livres représentent donc environ 5,6 millions de livres, donc c'est quand même assez considérable. Il faut savoir qu'en moyenne, un utilisateur du Pass réserve en moyenne 12 livres. Donc c'est extrêmement conséquent, et je pense que s'ils avaient plus de crédit, ils en achèteraient beaucoup plus. Ou en tout cas, ils seraient très intéressés pour en lire bien davantage. Donc, en termes de justement des acteurs du livre, de représentativité de ces acteurs sur les territoires, donc les librairies sont très largement inscrites aujourd'hui sur le dispositif. Elles sont un peu plus de 3000 indépendantes et grands réseaux inscrits sur le dispositif, mais la part des bibliothèques est encore très faible. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est là aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il y a un grand intérêt à ce que vous soyez présent sur l'application. Parce que pour plein d'aspects bien sûr, mais parce que vous êtes des acteurs des territoires et notamment de proximité, mais aussi parce que vous êtes des acteurs du livre et que ces jeunes sont de très grands lecteurs. J'ai une question en fait, donc Roselyne, de la part de Caroline, qui dit combien de librairies inscrites dans le département, est-ce que tu sais ou pas? Je crois que c'est... Non, je ne sais plus exactement. Je pense qu'on en a, au moins 6 ou 7, essentiellement sur Gap. Je pense que c'est 6 ou 7, moins de 10, il me semble. Donc, c'est quasiment toutes les librairies, quoi. Mais ouais, c'est toutes les plus grandes librairies sont toutes inscrites. Ouais, mais ça vaut vraiment le coup de montrer. On connaît plus ou moins tous nos chiffres et la littérature autour de ce que produit le ministère de la Culture sur le fait qu'on est le premier réseau de proximité, qu'on est le premier établissement culturel de proximité. Donc ça, c'est bien parce que nous, bibliothécaires, on le sait, on a lu l'étude du ministère de la Culture, mais en fait, il faut le dire. Il faut le matérialiser auprès des jeunes, en fait. D'autant plus que c'est géolocalisable, et c'est super, parce qu'on peut, sur le réseau, leur dire « Ouh, on est là !» De les mettre jeunes, en avant cette proximité, en fait, et de leur dire chouchou, tu veux venir, allez. On a du livre, mais en plus, on a plein d'animations. Tu peux venir faire des jeux vidéo. Il y a une rando qui est prévue avec tel écrivain. Tu peux t'éclater. Enfin, voilà. Enfin, je pense qu'il faut qu'on trouve un truc autour de ça. D'autant plus qu'on est bizarrement plus, numériquement, assez classique, mais on est plus nombreux que les librairies, en fait. Donc ça, je pense que du coup, faut vraiment qu'on s'en serve en montrant aux jeunes qu'on est là. On fait partie du game, en fait. Il y a vraiment un vrai enjeu à être présent aujourd'hui sur ce dispositif. Ouais. On le sait, les jeunes ont découvert notamment la librairie indépendante. Beaucoup de jeunes se sont rendus pour la première fois dans des librairies indépendantes via ce dispositif. Donc, ils ont découvert des lieux culturels via le dispositif Pass Culture, ils pourraient tout à fait découvrir également ou redécouvrir la bibliothèque qu'ils ne fréquentent parfois plus. C'est des chiffres que vous connaissez, mais dans les ouvrages qu'ils lisent, bien sûr, ils lisent énormément de mangas. Donc, un peu plus de la moitié des livres achetés sont des mangas. Et après, nous avons un certain nombre d'autres catégories littéraires qui sont représentées. Et si ça vous intéresse, on fait des études très régulièrement donc, sur les livres
favoris des jeunes sur le pass culture qui sont particulièrement intéressantes parce que c'est des livres que vous avez d'ailleurs en bibliothèque et qu'on peut mettre en avant en fait sur le dispositif donc en indiquant que bah, vous aussi vous avez ces livres et que les jeunes peuvent venir donc les lire dans vos bibliothèques et en découvrir d'autres. Donc je vais vous montrer un peu les top 5. Alors côté manga, voilà, donc c'est les grandes séries hein, bien sûr qui fonctionnent très très bien. Parfois on a des petites surprises sur des choses un peu moins connues qui ressortent. Et d'ailleurs dans le top 5 des livres hors manga qui sont réservés, alors c'est assez drôle parce qu'on voit que les jeunes donc achètent des livres pour de la lecture plaisir. Mais ils achètent aussi, bien sûr, des livres pour leurs études, et notamment pour les 18-20 ans. Même, on pourrait dire, alors, on connaît moins les 15-17, mais je pense que 17-20 ans, ils ont une pratique du dispositif qui est un peu différente des 15-16. Et donc, on va retrouver, bien sûr, le Code civil à noter, qui est toujours dans le top 5 des livres les plus achetés sur le Pass Culture, qui est un peu moins drôle, à côté de Harry Potter, évidemment. Mais donc, on fait des études à ce sujet régulièrement. Je vous enverrai le lien vers on a un blog qui donc a été créé par notre pôle études, qui s'intéresse souvent d'ailleurs aux lectures des jeunes sur le pass culture. Et c'est intéressant parce que les pratiques culturelles, enfin là, on voit un peu les pratiques culturelles des jeunes. Donc, ils sont nés avec c'est la génération Harry Potter. Enfin, nous, on y était déjà un petit peu, mais. Là, ils y sont à fond. Bon, après, en effet, il y a de l'étude, donc le Code civil qui est un grand moment d'ennui profond, mais bon, pour les jeunes qui rentrent en droit, c'est pas mal. En même temps, nous aussi, on a peut-être besoin d'y faire une petite piqûre de rappel. Léna Situation, parce que c'est YouTube et que c'est ultra fashion, elle le poste régulièrement. C'est quelqu'un aussi auprès des jeunes qui a un vrai auditoire parce que. Elle ne parle pas, elle n'a pas ce côté ripolliné de l'Instagram ou des YouTubeuses américaines qui sont toujours méga, super ultra bright. Et elle, en fait, elle parle de son acné, de ses problèmes de règles. Et en fait, ça touche vraiment les jeunes. Et puis, vous avez Le Chant d'Achille. Alors, c'est un bouquin qui n'est pas très connu, que moi, j'ai lu il y a un petit moment, d'une américaine qui s'appelle Madeline Miller et qui, en fait, est une professeure d'université. Et qui écrit elle a écrit un bouquin qui s'appelle Circé il n'y a pas longtemps, et qui écrit en fait sur la guerre de Troie, enfin voilà, comme elle est prof, et en fait c'est un bouquin intéressant parce que c'est super bien écrit. Et du coup, vous rentrez vraiment dans la mythologie, donc c'est une porte d'entrée aussi pour les jeunes, c'est hyper intéressant de voir qu'ils lisent ça, alors que personne ici, je pense, l'a lu, à part moi. Moi, donc, je ne l'avais pas lu. C'est intéressant d'aller voir un peu. Voilà, ces petits éléments que peut nous passer Roselyne et tout. Voilà, je pense que ça vaut le coup parce que nous, on peut faire de la pub, soit pour dire « Eh oh les gars, Harry Potter, on l'a !» Et on l'a même en DVD, enfin voilà. Si vous voulez, vous le retaper pour la 28e fois, venez l'emprunter à la médiathèque. Donc ça, c'est intéressant. Puis ça nous permet aussi de mettre en avant un peu de prescription, comme on fait... dans nos médiathèques, avec du facing, on propose aussi nos listes de bouquins proposés par les bibliothèques, par les bibliothécaires, les coups de cœur. Voilà, je pense que ça vaut le coup de faire un point. Puis bon, bien évidemment, après, on voit Michelle Obama. Ils sont très influencés aussi par les réseaux sociaux et les recommandations qu'ils peuvent voir sur les réseaux sociaux. Et qui sont parfois aussi surprenantes parce qu'on ne s'attend pas, voilà, Le Chant d'Achille, par exemple, à avoir ce type de proposition. Donc voilà, en résumé, c'est vraiment le livre, c'est vraiment la catégorie qui est la plus réservée. Et le livre, et au-delà du livre, tout ce qui concerne la littérature, la BD, mais tu en parlais, William, mais aussi les rencontres d'auteurs, les ateliers manga, donc tout ce qui tourne autour de la lecture. Et je vais vous montrer... plus en vraiment de façon très concrète, quelques exemples de propositions en bibliothèque qui fonctionnent bien, donc qui gravitent autour de cet univers du livre. Donc en termes de propositions faites par les bibliothèques, aujourd'hui sur le dispositif, toutes les propositions, bien sûr, sont recevables et sont représentées aujourd'hui, même si, vous l'avez vu, il y a très peu de bibliothèques inscrites sur le dispositif. Où elles sont essentiellement situées dans les très grandes métropoles. Donc, on va retrouver aussi bien des propositions donc, d'abonnement, que ce soit du gratuit ou du payant.
soit des offres d'abonnement, soit des offres qui concernent le prêt par catégorie, par exemple, viens en bibliothèque pour consulter des mangas et pour en réserver quelques-uns. On a aussi tout ce qui concerne, bien sûr, l'action culturelle, donc tous les ateliers, les conférences, les rencontres, les expositions, sciences ciné, qui peuvent être proposées sur l'application. Des temps spécifiques aussi pour les jeunes. On a des clubs de lecture qui ont été constitués par certaines bibliothèques qui s'adressent plus aux adolescents, jeunes adultes. Et puis, des temps un petit peu plus exceptionnels ou des festivals, des escape games, donc des propositions qui sont plus ponctuelles. Donc, je vais vous montrer en image ce que ça donne sur l'application. Donc, c'est une petite sélection que j'ai faite donc, hier en piochant un petit peu parmi les propositions qui sont proposées en ce moment, soit qui ont été proposées donc, dans les mois précédents. Donc, on retrouve donc, aussi bien, alors, c'est les bibliothèques de Sète qui organisaient un festival BD, il me semble, il y a un an ou deux. Donc, ils ont mis en avant ce festival sur l'application Pass Culture. C'est un festival qui était gratuit, donc les jeunes pouvaient soit en prendre connaissance, soit je crois qu'il y avait des temps avec des jauges réservées, donc ils pouvaient aussi prendre leur place sur le Pass Culture. Les bibliothèques municipales de Lyon qui proposent donc leur abonnement qui est payant pour les 18-25, et donc les jeunes peuvent réserver, donc prendre leur abonnement, l'acheter via le Pass Culture. Un exemple proposé par les médiathèques de Toulon qui, en parallèle de Mangazur, organise un certain nombre d'ateliers, d'événements autour du manga le mois prochain. Il y a des rencontres, il y a des expositions, et il y a aussi des temps de pratique artistique, donc là, un atelier autour du manga. En ce moment, il y a le festival de la bande dessinée Aix-en-Provence, et donc la bibliothèque Méjeanne à Aix aussi met en avant les expositions qu'elle propose donc dans ce cadre. Et puis aussi des propositions qui concernent plus les différents accès qui sont proposés en bibliothèque, les services qui sont proposés, par exemple l'accès à de la pratique du jeu vidéo ou à l'accès à des... On peut retrouver aussi des propositions d'accès à des jeux de société ou à des espaces de travail également. Donc qui là aussi peuvent être mis en avant sur l'application. Et ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on fasse un premier arrêt à ce stade-là. Peut-être échanger avec vous déjà sur peut-être les questions que vous pourriez avoir et aussi les propositions qui vous sembleraient peut-être intéressantes à mettre en avant sur l'application ou alors qui vous posent question, vous ne savez pas exactement si c'est possible de les proposer, de quelle manière, pour qu'on puisse peut-être en discuter. Je pourrais vous montrer aussi des exemples qui se font sur d'autres communes. Si vous voulez bien, si vous avez des questions à ce stade-là. J'aurais une question, Caroline. À savoir, pour les petites bibliothèques, comment faire en sorte qu'elles puissent s'inscrire dans ce dispositif sans que ce soit, entre guillemets, une usine à gaz, c'est-à-dire beaucoup de travail, de saisie. Est-ce qu'on peut faire une entrée unique qui décrivent un certain nombre de services et pas devoir mettre à jour chaque semaine en fonction de l'évolution des présentations culturelles. Oui, merci. Alors, oui, bien sûr. Et vous pouvez, peut-être une entrée unique ou je dirais plutôt deux, trois entrées uniques qui vous permettent d'avoir un peu plus de visibilité sur l'application, mais que vous pouvez créer d'un seul trait. Ce qui est important, c'est... notamment l'intitulé de cette entrée unique, puisque les jeunes sur l'application font des recherches surtout par mots-clés. Donc, il y a deux axes, soit ils font une recherche par mots-clés, soit ils font une recherche autour d'eux. Ils peuvent rechercher toutes les propositions culturelles qui sont autour d'eux. Pour ressortir dans la recherche par mots-clés, c'est simple, il faut avoir dans le descriptif de l'offre ou dans l'intitulé de l'offre des mots-clés qui vont intriguer les jeunes. Et donc, moi, je vous inviterais plutôt à faire deux, trois propositions, peut-être qui mettent en avant les deux, trois services phares que vous voulez proposer. Donc, en termes d'ouvrage, ça peut être l'accès à de la vidéo, une offre qui concerne peut-être l'accès à la vidéo. Dans ta bibliothèque, retrouve tant de... Tu peux réserver tant de...
tant de DVD avec ton abonnement, une offre qui concerne plutôt l'accès livre. Donc là aussi, retrouve telle catégorie, telle catégorie, telle catégorie dans ta bibliothèque grâce à ton abonnement. Et puis peut-être si vous avez aussi d'autres catégories que vous souhaitez mettre en avant ou d'autres services, ou peut-être voilà, séparer par catégorie, parce que vous le verrez lorsque vous allez créer des offres, en fait, il vous sera demandé la catégorie dans laquelle vous souhaitez référencer cette offre. Et donc les jeunes peuvent faire aussi des recherches par catégorie, et donc il est important quand même qu'ils puissent retrouver, identifier que dans une bibliothèque sont présentes en fait l'ensemble de ces catégories. Et c'est ça qui est la force, hein, je pense, aujourd'hui, la force potentielle des bibliothèques sur ce dispositif, c'est que vous êtes présent dans toutes les catégories, dans énormément de catégories culturelles, en termes de musique, en termes de livres, en termes de pratiques aussi, parfois pratiques artistiques. Donc, les jeunes peuvent vous retrouver dans l'ensemble de ces catégories. Et vous pouvez le faire une fois par an ou deux fois par an si vous avez à un moment une mise à jour à faire, vous souhaitez proposer des actions en plus, mais dans un premier temps, vous pouvez bien sûr en très peu de temps, hein, c'est très rapide de proposer des offres en ligne. Ce qui est important aussi, c'est le visuel. Vous allez voir, il vous est demandé un visuel, et donc ce visuel, il est important parce que c'est ce que les jeunes voient en premier. Et nous faisons aussi des mises en avant régulièrement sur les territoires des propositions, c'est-à-dire qu'on fait remonter sur la page d'accueil de l'application toutes les quinzaines des propositions des propositions de sortie, mais aussi des propositions de nouveaux lieux culturels présents sur l'application ou de temps forts. Donc nous, c'est moi et c'est ma collègue Leïla qui travaille avec moi aussi à Marseille. Et donc sur chaque département, les jeunes vont pouvoir avoir un accès privilégié à ces propositions. Donc là, si vous avez des visuels qui sont parlants, c'est d'autant plus intéressant parce qu'on va pouvoir les mettre en avant. Et c'est des choses qu'on fait, des choses qui fonctionnent bien aussi, hein. Il faut savoir que ces mises en avant sur l'application, elles fonctionnent bien, elles sont très consultées par les jeunes. Ça répond à votre question, à vos peut-être les difficultés que vous pressentiez. Oui, ça me permet de voir un petit peu plus concrètement comment il faudrait faire. Donc, oui, je pense. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Sophie également. Peut-être que si ça te parle, si tu as déjà eu recours à ce type de service. Moi, je n'ai pas encore consulté à titre personnel. Mais oui, pour que ce soit simple et pratique au quotidien pour les bibliothécaires qui sont toutes seules dans les bibliothèques, il faut que ce soit vraiment assez facile à faire. Bien sûr. L'avantage aussi de la mise en avant, c'est que c'est ce qu'on appelle la prescription, en fait, hein, qu'on retrouve aussi dans nos médiathèques, ou le bouche à oreille, qui est aussi de la prescription de « Ah oui, tu as lu le dernier bouquin de Leïla Slimani, c'est super, il faut que tu l'empruntes. » Ben là, c'est pareil, c'est-à-dire que comme les coups de cœur qu'on met en valeur dans nos bibliothèques, ou le facing, hein, le fait de mettre en avant les livres, c'est prescriptif, donc c'est une manière pour nous aussi d'être beaucoup plus visible. Et le fait que ça soit soit par mots-clés, ça c'est intéressant parce que ça veut dire que il faut qu'on trouve le moyen de se mettre dans la tête du Jones pour dire bon ben voilà, ou en tout cas de choisir des mots très simples et hyper attractifs qui font qu'ils vont voir. Et l'autre point, c'est en effet le fait qu'on soit géolocalisable. Et ça veut dire que c'est un vrai plus aussi pour nous, parce que ça nous donne le moyen d'être doublement visible, en fait. Et c'est ça aussi qu'il faut qu'on arrive à mettre en avant, de leur dire, ben voilà, vous adorez One Piece, t'adores One Piece, tu veux absolument acheter ton bouquin One Piece, c'est super, vas-y. Mais si tu veux acheter le tome 3, 4, 82, en fait, tu le trouveras gratuitement à la bibliothèque. Voilà. C'est en fait, il faut qu'on trouve à la fois la complémentarité avec les autres établissements culturels, qu'ils soient commerciaux ou pas, et puis se mettre en valeur sur le territoire, quoi, en disant « Ouh, nous, on fait une spéciale dédicace One Piece parce qu'on est en train de mettre en valeur tous les mangas. Toi, Jones, viens nous voir. » Il faut qu'on trouve un moyen, en fait, de le mettre vraiment en valeur. Et la géolocalisation, pour ça, c'est super, parce que... L'exemple de la librairie à Gap, il faut se déplacer à Gap. Je ne dis pas que c'est la croix, la bannière pour aller à Gap,
Mais nous, on est peut-être plus proche du Jones qui va aller à Gap et qui va demander à son père ou sa mère de l'amener ou qui va prendre le bus. Et nous, on peut lui proposer en fait, de trouver aussi One Piece et plein d'autres bouquins de, voilà, de manga un peu à la One Piece en allant juste à 20 minutes de chez lui à pied. Donc, il y a un vrai enjeu, hein. Oui, ouais, sur notre territoire plus rural. Voilà, il faut qu'on trouve cette proximité. Et puis, enfin, voilà, je sais que vous, en bibliothèque, vous êtes comme moi, quoi. On arrive, on a plein de trésors, on a des trésors aussi d'ingéniosité qu'on ne met pas assez en valeur, nous. Voilà, donc il faut qu'on arrive à montrer qu'on est là, quoi. Angeline, vous aviez une question également ? Oui, je voulais savoir concrètement quand, par exemple, un jeune trouve un livre sur la plateforme, il voit apparemment où est-ce que se trouve ce livre et ensuite, vous avez parlé du système de réservation. Alors, comment ça se passe exactement ? Alors, je vais vous montrer, je vais vous partager à nouveau mon écran, mais je vais vous montrer directement sur l'application comment ça marche. Donc là, nous sommes sur l'application, sur la version en ligne. Il y a une version, donc une app, et il y a une version en ligne que vous pouvez consulter aussi. Donc moi, comme j'ai plus 18 ans, j'ai pas accès à tout le parcours de réservation, mais je vais pouvoir vous expliquer quand même comment ça fonctionne. Là, on est sur la page d'accueil de l'application. Alors, il se trouve que comme je suis en ligne, elle n'est pas géolocalisée. Si j'étais sur mon application, elle serait donc géolocalisée. Donc sur cette page d'accueil, je vais voir... malgré tout des sélections mais qui sont des sélections nationales puisque sur cette home en fait ils voient des sélections et locales et des sélections nationales qui évoluent là aussi en fonction des grandes thématiques. Par exemple pour les nuits de la lecture, on a eu des sélections spécifiques nuits de la lecture, donc selon les grands temps forts de l'année on va avoir des sélections. Donc si on sélectionne par exemple, alors, on va regarder avec une offre payante puis après on regardera avec une offre gratuite. Je veux aller où? Pulp Festival qui se trouve à la ferme du Buisson et ça coûte 5 euros. Donc vous allez voir en fait quand le jeune sélectionne cette proposition, il a accès à l'ensemble des données qui ont été, les infos qui ont été renseignées par l'acteur culturel. Donc il y a un descriptif, il y a la catégorie donc, de la proposition, c'est une visite, ça coûte 5 euros, la date. Le lieu, ils peuvent voir aussi avoir accès à une carte pour voir où est-ce que ça se trouve. Et puis d'autres infos éventuellement, là il n'y en a pas, mais il pourrait y avoir des infos sur l'accessibilité ou des informations complémentaires concernant la billetterie par exemple ou tout ce qui serait nécessaire en tout cas de donner comme info aux jeunes. Et ils ont un gros bouton en bas qui s'appelle, moi c'est accéder à la billetterie parce que je n'ai plus 18 ans, mais si j'avais 18 ans, ce serait « Prends ta place ». Donc, en cliquant sur ce bouton, en fait, ils réservent cette proposition. Et réserver cette proposition envoie automatiquement un mail à l'acteur culturel informant qu'une réservation a été effectuée. Et je vous montrerai, mais plutôt en fin de matinée, comment ça se passe, à quoi ressemble vraiment ce portail pro. Et vous pouvez faire aussi le suivi des réservations. Donc, quand un jeune... clique sur le bouton, la somme est automatiquement déduite de son crédit, Presse Culture. Et côté acteur culturel, il y a un mail qui est envoyé informant l'acteur culturel donc qu'une réservation a eu lieu. Et une fois que l'événement est passé, puisque là il y a une date fixe, hein, c'est le 9, par exemple 9 avril, le paiement est automatiquement enclenché de notre côté. C'est-à-dire que tous les 15 jours, en fait, un virement est effectué aux acteurs culturels concernant les réservations qui ont été faites sur la quinzaine précédente. Donc, il y a des remboursements tous les 15 jours aux acteurs culturels qui se font de façon automatique. Après, pour une offre qui est gratuite, c'est un petit peu différent puisqu'il n'y a pas forcément parfois, il n'y a pas de nécessité de réserver. Donc, par exemple... là, c'est le château de Pierrefonds qui donc propose un accès à son château qui est gratuit.
Et donc là, on va juste retrouver les informations concernant le château. Et donc, il n'y a pas de bouton réservé puisque la proposition est gratuite. Donc, il pourrait éventuellement y avoir des informations complémentaires sur les horaires d'accès ou toute autre chose. Il pourrait y avoir une possibilité de réserver s'il y avait une jauge délimitée, ce qui s'est beaucoup présenté pendant la période de Covid, où il y avait beaucoup de jauges dans les musées, même sur les musées gratuits. Et donc, les jeunes pouvaient, dans ce cas-là, réserver leur place. Et l'acteur culturel pouvait gérer sa jauge. Voilà, donc ça c'est le... Est-ce que ça a répondu à votre question en termes de réservation ? Alors, oui, en fait, je me demandais donc, si par exemple un jeune voyait un livre et donc il était écrit par exemple librairie mais aussi médiathèque en dessous. S'il pouvait, en cliquant sur le bouton, réserver le livre, par exemple, à la médiathèque, qu'on reçoive un message et qu'on... Pour l'instant, non, parce qu'en fait, ça n'a pas été anticipé comme ça. Après, c'est des réflexions qu'on a justement sur la possibilité pour les jeunes de réserver les livres en médiathèque. Pour l'instant, donc, pour les librairies, il y a une synchronisation de leur stock qui est proposée. On a fait un partenariat technique avec certains gestionnaires de stock de librairies pour que donc l'ensemble de leur stock puisse être présent sur l'application. Donc la majorité des librairies aujourd'hui ont leur stock synchronisé sur l'application Pass Culture. Et justement, la réflexion qu'on a à l'heure actuelle, c'est est-ce qu'il est opportun de permettre ça également aux bibliothèques ? De quelle manière également ? Et pour l'instant, c'est encore à une étape de réflexion. Alors, ce que je sais, c'est qu'au niveau technique, en tout cas, permettre aux jeunes de savoir en tout cas qu'un ouvrage est disponible dans une bibliothèque, ce serait simple. Donc, ce serait possible. Par contre, le réserver via l'application, a priori, ça pourrait être plus complexe. Parce que puis pour vous également, ça voudrait dire potentiellement une usine à gaz en termes de suivi des réservations. Donc c'est une réflexion long terme. Il faut qu'on réfléchisse vraiment, voir si c'est faisable ou pas. La difficulté qu'on peut rencontrer aussi, c'est qu'il y a, il me semble, hein, différents outils qui sont utilisés en bibliothèque. Selon les bibliothèques, c'est pas forcément le même outil qui est utilisé. Et donc, ça veut dire, de notre côté, pas forcément le même développement pour chaque outil. Et donc, il faut qu'on voit si c'est compatible ou pas. Mais en tout cas, c'est une réflexion qui est en cours. On a eu une réunion à ce sujet dernièrement, mais c'est plus à moyen-long terme. Oui, en fait, la difficulté pour nous, c'est qu'on a plusieurs SIGB. On n'a pas les mêmes logiciels, en fait, de bibliothèque, d'un territoire à l'autre. Et donc, ça veut dire, pour le Pass Culture, d'avoir une forme, enfin, ce qu'on appelle pompeusement une forme d'interopérabilité des données pour l'ensemble en fait des vendeurs de logiciels. Donc ça veut dire qu'il y a tout un travail de négo qui doit être fait avec les vendeurs de logiciels pour qu'ils acceptent qu'il y ait une forme d'interopérabilité au même titre que ce qui a pu être fait pour les maisons d'édition. Mais en fait, dans les maisons d'édition, il y a moins de SIGB. Enfin, ils n'ont pas un SIGB, mais l'équivalent du SIGB. Il n'y en a pas 50 000, en fait. Bon, il n'y en a pas non plus 50 000, mais... Il y en a beaucoup moins, et donc c'est plus facile de traiter dans la chaîne de l'économie du livre, en fait. Ce qui est moins le cas pour nous, parce qu'il y a plusieurs pourvoyeurs de SIGB, donc c'est vraiment plus compliqué. Mais voilà, à réfléchir après sur le long terme, en effet. Voilà, sur le long terme, mais c'est vrai que c'est des choses qui... En tout cas, c'est des réflexions qui nous intéressent et qu'on a engagées. Là, on est dans une phase de réflexion générale sur la présence des bibliothèques sur le Pass Culture. Et dans un premier temps, en tout cas, il y a cet outil qui fonctionne, qui vous permet déjà de mettre en avant les services que vous proposez de façon simple aussi. Et comme on le disait, que ce ne soit pas une usine à gaz et que vous ne soyez pas obligé de mettre en ligne des offres tous les mois. C'est déjà une première étape. Et après, il y a de notre côté aussi d'autres étapes, mais qui se feront là à moyen terme. Je peux vous montrer également comment fonctionne donc, la recherche pour les jeunes. Donc là, on est sur l'outil de recherche. Donc, ils peuvent faire une recherche, comme je vous le disais, par mots-clés. Justement, si on cherche, par exemple, on cherche Harry Potter,
Donc là, comme je ne suis pas géolocalisée, il va me proposer, alors je ne sais pas exactement du coup dans quelle librairie il me propose. Voilà, il me propose quelque chose qui n'est pas du tout à côté de chez moi puisque je suis à Marseille. Il me propose La Folie d'encre des pavillons, qui est à Les Pavillons sous bois, dans le 93. Donc, mais si j'étais, si nous étions sur l'application ici, donc vous auriez des propositions qui sont donc géolocalisées. Et c'est toujours la géolocalisation qui prime dans l'affichage des propositions. Il n'y a pas d'autres critères, il n'y a pas d'algorithme, comme on le dit sur notre application. Donc, c'est si la bibliothèque est plus proche par rapport à la librairie, c'est la bibliothèque qui va remonter en premier. Donc, c'est tout l'intérêt d'être présent aussi sur le dispositif, puisque toutes les structures peuvent être potentiellement présentes à part égale. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Sinon, on peut passer aussi, je peux vous montrer. Donc, dans un deuxième temps, je souhaitais aussi vous parler donc, de l'autre aspect du dispositif, qui est la part collective du Pass Culture et qui peut vous intéresser aussi. Mais si vous aviez encore des questions sur cette partie plus individuelle, l'application, je peux encore y répondre. Oui, je peux poser une question? Bien sûr. Justement, par exemple, typiquement, j'ai un événement 6, 7, 8 mai, oui. Avec plusieurs, on a un titre, Hirondelle et Martinet par exemple, on a une conférence le vendredi soir, on a la construction des nichoirs le samedi et une promenade le dimanche. Donc c'est pas les mêmes jauges, enfin il y en a où il n'y a pas de jauge, il y en a un où il y a une jauge. Donc est-ce que je crée trois événements ou est-ce que, qu'est-ce qu'on peut créer? Alors, si vous avez des jauges, là, je vous conseillerais, oui, d'indiquer les événements de façon séparée, ouais. Pour pouvoir gérer la jauge. Si c'était un événement, un festival, par exemple, qui se déroule sur 3 jours, mais qu'il n'y a pas de jauge et que c'est en entrée libre, là, vous pouvez renseigner sous une seule offre et mettre les différents temps. Après, si vous avez des jauges, oui, il vaut mieux faire des événements séparés. Ou avec 3 images différentes, du coup, il faut créer 3. Ou ça peut être la même image, hein, si vous avez une image qui est parlante, ça peut être la même image. Vous n'êtes pas obligé. L'important, c'est d'avoir au moins une image mm-hmm. qui est assez parlante. Mais pour ces questions de jauge, alors par contre, ce que vous pouvez faire, si vous aviez un événement avec différentes dates. Par exemple, un spectacle qui se reproduit sur 2 dates, là, vous pouvez créer une seule offre et renseigner les 2 dates. OK. OK. Sur la même proposition. Ça marche. Merci. Il n'y a rien. Si vous voulez, on peut continuer. Puis, si vous avez des questions, de toute façon, vous pouvez m'interrompre. Et on pourra revenir, bien sûr, sur cette partie-là. Je vais vous repartager ma présentation. On va passer donc à la deuxième partie. Depuis ce mois de janvier 2022, nous avons souhaité, en parallèle de l'ouverture du Pass Culture aux jeunes de moins de 18 ans, souhaiter ouvrir aussi une part collective. L'objectif est vraiment de pouvoir renforcer les pratiques culturelles des jeunes dans tout leur temps de pratique, donc à la fois sur le temps extrascolaire et le temps scolaire. Et donc, nous avons développé donc, cette part collective du Pass Culture, qui est un projet qui se construit en partenariat entre le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation nationale et le Pass Culture. Donc, cette part collective s'adresse là non plus directement aux jeunes, elle s'adresse aux établissements scolaires. Donc, depuis ce mois de janvier, aux établissements scolaires, collèges et lycées, pour toutes les classes de la 4e à la terminale. Et là, nous venons de signer une convention cette semaine pour l'ouverture du dispositif aussi au ministère de l'Agriculture, donc au lycée agricole et aux établissements également du ministère des Armées.
L'objectif de ce dispositif, c'est de pouvoir renforcer les financements qui sont accordés pour des sorties scolaires, pour des interventions d'éducation artistique et culturelle. Donc, ce sont de nouveaux budgets qui sont attribués aux établissements scolaires. Ce sont des budgets qui sont virtuels, là encore. On fonctionne de façon assez similaire à la part individuelle. C'est donc des budgets qui sont établis en fonction des effectifs annoncés en début d'année. Et je vous ai mis le petit calcul qui est fait ici. Donc, il y a un montant qui est attribué en fonction du niveau de classe par élève, qui nous permet d'avoir un montant global sur l'établissement. Et après, le chef d'établissement s'assure que chaque classe concernée, donc quatrième à la terminale, a pu bénéficier d'un budget passe culture s'il en avait besoin, bien sûr avec l'objectif que toutes les classes de quatrième à la terminale bénéficient de projets éducatifs et culturels sur chaque année. Donc ce dispositif, il vient vraiment en parallèle du dispositif individuel. Et il est particulièrement intéressant pour les établissements scolaires et pour vous, puisqu'il simplifie grandement la mise en œuvre de projets avec les établissements scolaires au niveau technique, puisque ce que nous avons créé, c'est un lien en fait direct entre la plateforme Passe Culture sur laquelle vous pourrez poster des propositions individuelles et un logiciel qui est utilisé par les enseignants qui s'appelle Adage, auxquels tous les enseignants ont accès, qui leur permet de piloter les projets d'éducation artistique et culturelle, et aujourd'hui, qui leur permet aussi de voir en temps réel toutes les propositions qui sont faites par les acteurs culturels pour pouvoir rentrer en contact avec ces acteurs, faire de la co-construction de projets dans les lieux culturels ou en établissement scolaire, et pouvoir réserver ces projets de façon très simple en simplifiant grandement la partie administrative. Donc ce dispositif, il existe aujourd'hui, il est mis en place donc depuis ce mois de janvier. Il a connu un très très grand engouement depuis le retour des vacances de février, où on a énormément d'établissements culturels, d'établissements scolaires, qui contactent des établissements culturels pour co-construire des projets ensemble. Donc, c'est vraiment un projet qui rencontre aussi un grand succès. Alors, pour être très clair sur ce projet, donc il y a quand même quelques points qui sont importants que j'ai commencé à citer, mais qu'il faut bien avoir en tête. Donc, il s'agit bien de financements complémentaires qui permettent soit de développer de nouveaux projets avec des établissements scolaires avec lesquels vous ne travaillez pas jusqu'ici, ou de pouvoir renforcer une action qui est imaginée avec un établissement scolaire en ajoutant une brique, par exemple, l'intervention d'un auteur ou un temps de pratique dans votre établissement ou une intervention dans la classe. Il ne s'agit pas non plus d'un catalogue d'offres qui pourrait être faite uniquement par les acteurs culturels. Donc, vous avez la possibilité à la fois de faire des propositions un peu vitrines, des offres vitrines qui donnent à voir ce qui pourrait être construit avec les établissements scolaires, mais c'est aussi un outil à la mise en œuvre de projets un peu sur mesure, donc qui se construisent vraiment en partenariat entre l'établissement scolaire et l'acteur culturel, et qui peuvent ensuite être, au niveau administratif et financier, être financés de façon très simple par le Passe Culture. Et donc, dans un dernier point qui est aussi important, notamment parce qu'il y a eu pas mal d'échanges à ce sujet, pour l'instant, le financement Passe Culture peut financer donc, toutes les sorties, également toutes les interventions qui peuvent avoir lieu en classe. Deux aspects pour l'instant ne peuvent pas être financés par ce dispositif. Il s'agit des transports, même si c'est un aspect qui est en tout cours de réflexion de notre côté. Et il y a un groupe de travail, ministère de la Culture, ministère de l'Éducation nationale, qui est créé pour réfléchir à cette question de la prise en charge des transports. Mais pour cette année scolaire, ce n'est pas possible. Mais pour les années prochaines, il y aura en tout cas des solutions qui vont être imaginées. Et le matériel également, le dispositif ne permet pas aujourd'hui d'acheter pour les établissements scolaires uniquement du matériel. Donc comment, alors,
avant d'aller sur comment ça fonctionne, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce dispositif. Donc, c'est un dispositif qui s'est créé en janvier, qui donc a été pris en main dans un premier temps par les acteurs culturels que nous avons donc informés depuis fin décembre. Dans un premier temps, nous avons invité tous les acteurs culturels qui sont déjà référencés par les rectorats, qui sont référencés sur ce logiciel qui s'appelle Adage. Un certain nombre d'acteurs culturels référencés sur notre région, il y a eu un très bon référencement, et notamment toutes les bibliothèques sont référencées aujourd'hui sur ce logiciel. Donc toutes les bibliothèques aujourd'hui sont éligibles à ce dispositif. Donc vous le voyez, il y a eu un certain nombre d'offres qui ont déjà été qui a déjà été proposé, donc 11 000 offres collectives, 5 000 réservations donc depuis le mois de janvier et essentiellement depuis ce mois de février. Et on voit que donc ces réservations concernent essentiellement donc aujourd'hui donc la pratique artistique, le cinéma et le spectacle. Ce qui est intéressant, c'est que c'est assez complémentaire finalement des réservations qui sont faites par les jeunes sur la part individuelle, qui concerne donc plus le livre. On retrouve aussi le cinéma, mais on retrouve aussi la pratique musicale. Et là, finalement, la part du spectacle vivant, du cinéma et des ateliers de pratique artistique est plus importante. Donc, c'est deux dispositifs qui visent vraiment à être complémentaires. Et pour l'instant, en tout cas, on entrevoit une bonne complémentarité, même si on est au tout début de l'outil. Donc, on est encore dans une phase de développement et on n'a pas encore énormément de données, mais en tout cas, il y a quand même quelques signes qui nous semblent particulièrement encourageants. Donc, alors je vous propose un petit focus, pas sur les Hautes-Alpes, parce que il serait pas, pour l'instant, on a des structures, bien sûr, qui proposent des actions, mais elles sont peu nombreuses, donc ce n'est pas très représentatif, je pense, de ce qui pourra se faire dans un an, mais plus sur l'Académie Aix-Marseille. Donc, on voit qu'on a des chiffres assez similaires, notamment sur les réservations qui sont faites par les enseignants, donc qui concernent là aussi le spectacle. Mais la part atelier de pratique artistique est assez importante, puisque 20% des propositions qui sont réservées concernent cette partie-là. Elle est vraiment essentielle pour nous aussi sur ce dispositif du Pass Culture. On souhaite réellement que les propositions qui sont construites soit des propositions qui allient des temps de rencontre, des temps de découverte culturelle ou artistique, et des temps de pratique ou des temps d'échange avec des acteurs culturels ou avec des artistes ou des auteurs, des illustrateurs. La part cinéma qui est aussi importante, et la part rencontre, conférence justement, qui est assez importante sur l'Académie Next Marseille. Il faut savoir que sur cette académie, il y a énormément de demandes, il y a énormément de propositions. On fait partie des académies sur lesquelles il y a le plus d'offres proposées aujourd'hui et de réservations. Donc, il y a un vrai engouement côté établissement scolaire autour de ce dispositif sur lequel vous avez là aussi toute votre place. Et puis, on pourra en discuter, voir de quelle façon du coup, vous pourriez vous en emparer. Mais c'est un dispositif sur lequel les bibliothèques sont naturellement, bien sûr, invitées aussi à être présentes, à faire des propositions seules ou en partenariat, puisqu'on peut aussi construire des propositions en partenariat avec un autre acteur culturel qui peut être associé donc, dans le montage de projets. Donc, alors les propositions qui sont faites aujourd'hui sur ce dispositif collectif, elles sont faites directement donc, sur la plateforme Pass Culture, au même titre que les propositions pour les jeunes individuellement. Il y a deux formulaires, un formulaire pour les jeunes qui réservent individuellement sur l'application et un formulaire pour les scolaires. Donc, de votre côté, l'objectif, c'était vraiment aussi de simplifier la prise en main, que tout se passe par une seule plateforme. Ce formulaire, il est très simple, il vous donne beaucoup de latitude sur les propositions que vous souhaiteriez mettre en place. Il peut s'agir d'un temps qui allie uniquement une rencontre ou un temps de pratique, mais aussi un parcours, par exemple sur un temps court ou sur un temps long, qui combine un temps, par exemple, de rencontre ou de pratique dans votre bibliothèque et ensuite une intervention en établissement scolaire.
Il peut s'agir aussi d'un projet qui, donc, je vous le disais, qui s'associe aussi avec un autre acteur, par exemple avec un temps dans la bibliothèque, suivi d'un temps dans le cinéma et ensuite dans l'établissement scolaire. Vous avez vraiment beaucoup de latitude autour de ce dispositif sur la forme, le format de proposition que vous pourriez faire, soit de propositions que vous souhaitez proposer vous directement en tant qu'acteur culturel, ou de projets qui sont co-construits avec les établissements scolaires. Alors, je vais vous montrer quelques exemples concrets qui se font donc, au niveau de la région. J'ai pioché quelques exemples qui sont proposés en ce moment au niveau de la région PACA sur ce dispositif qui montre, qui associe différents temps de pratiques. Par exemple, donc, Tandem, qui est une SMAC à Toulon, donc, qui propose des concerts et des projets, notamment autour de la musique, qui associent aussi bien des projets de pratique que de découverte, et qui proposent en ce moment sur le Pass Culture Collectif des concerts pédagogiques suivis d'ateliers. Donc, par exemple, il y a un concert pédagogique autour du rock, suivi d'un atelier MAO, musique assistée par ordinateur. Donc, il me semble que c'est sur deux journées distinctes. Donc, un concert pédagogique qui a lieu dans leur structure et des ateliers dans l'établissement scolaire. On ne va pas écouter la vidéo. Voilà. Ça, c'est des choses que, par contre, je vous enverrai le PowerPoint et que vous pourriez consulter dans un second temps. À Marseille, une librairie, la librairie Vauban, qui propose donc un premier projet qui se concentre sur les métiers du livre, donc qui associe un temps de rencontre et d'échange avec des professionnels du métier du livre dans leur librairie, découverte de la librairie, du métier de libraire, mais aussi toute la chaîne du livre qui a lieu donc dans la librairie Vauban et qui est suivie d'un atelier d'écriture collectif ou de lecture qui là aussi peut avoir lieu dans la librairie. Donc, les libraires s'emparent peu à peu aussi du dispositif. À Nice, le Musée national du sport qui invite donc là des classes aussi à visiter les collections permanentes ou temporaires du musée et qui associe ces visites à des ateliers de pratique et en ce moment des ateliers d'initiation à la photographie sportive. Donc, en association avec un photographe spécialisé dans ce domaine-là, qui donc propose une intervention, là c'est directement dans le musée, à destination donc des collèges et des lycées. Et puis je crois que j'ai un dernier exemple. Oui, en ce moment, il y a Cannes Série à Cannes qui s'est inscrit également sur la plateforme Pass Culture pour faire des propositions également pour les établissements scolaires et donc qui propose ces différents temps de projection qui sont souvent des temps qui ne sont pas dédiés aux scolaires, mais qui sont ouverts aussi au grand public, auxquels donc des scolaires peuvent accéder, suivis de rencontres peuvent être donc dédiées, réservées aux établissements scolaires, des rencontres avec les réalisateurs ou avec des créateurs ou avec des acteurs qui pourraient être présents et donc qui sont des rencontres qui sont modérées, qui permettent aux jeunes de vous poser un certain nombre de questions et découvrir les différents métiers qui peuvent être les métiers du cinéma. Avant de vous montrer l'aspect technique qui est important, hein, mais qui peut être aussi qui posera d'autres questions, peut-être recueillir vos réactions peut-être à chaud sur cette partie du dispositif et les interrogations. Je ne sais pas si c'est un dispositif dont vous aviez connaissance, si vous avez déjà été sollicité par des établissements scolaires à ce sujet ou pas du tout. Oui, c'est le cas parce qu'effectivement, les établissements scolaires s'y intéressent de très près. J'arrive pas à visualiser complètement encore à quoi ça peut ressembler. Est-ce que, si on peut prendre un exemple concret, par exemple, on invite une comédienne pour faire un atelier autour de l'éloquence pour préparer l'oral du bac en mai-juin. C'est une comédienne dont les ateliers sont payants, par exemple, ça intéresse les classes de lycée. Donc, ça va être un atelier qui se passera à la médiathèque. Comment on peut arriver à organiser ça avec l'adage et le Pass Culture? Est-ce qu'on peut le faire déjà? Et comment on peut l'organiser dans ce cadre-là? Oui, vous pouvez le faire tout à fait.
Donc, de votre côté, alors pour les bibliothèques, je vous le disais, c'est très simple en plus puisque vous êtes déjà référencé sur Adage. Donc, vous avez un accès direct à ce dispositif. De votre côté, il faut que vous vous créiez un compte sur le Pass Culture, sur cette même plateforme où vous allez créer, renseigner des offres pour les individuels. Ce sera aussi sur cette plateforme. Et ensuite, sur cette plateforme, il vous sera demandé de renseigner votre ou vos lieux, donc votre bibliothèque, et de créer des offres. Vous avez deux boutons. Hein. Je vais vous montrer en direct comment ça fonctionne. Alors. Voilà. Là, on est donc sur cette plateforme dédiée aux professionnels. Donc, lorsque vous aurez créé votre compte, c'est sur cette plateforme que vous serez dirigé, qui s'appelle passculture.pro. Et donc, sur cette plateforme, vous pouvez chacun avoir un accès dédié. Et là, justement, on est sur le compte d'une commune. Donc, vous allez voir directement comment ça s'affiche. On est sur le compte de la commune d'Aix-en-Provence, qui donc a renseigné ses différents établissements. Donc, il a pris en main le compte il y a peu de temps. Donc, on voit par exemple que les coordonnées bancaires ne sont pas encore renseignées. Donc, vous pouvez voir qu'il est possible de le faire par établissement, s'il y avait des coordonnées différentes à renseigner. Vous pouvez, vous, par exemple, en tant que bibliothèque, être référencé sur un compte d'une collectivité ainsi. Vous pouvez, vous l'avez compris, créer le compte vous-même et référencer votre bibliothèque. Donc, par exemple, si on va dans l'espace réservé à la bibliothèque Méjeanne à Aix-en-Provence, donc, on va voir, ils ont créé un certain nombre de propositions sur lesquelles ils ont déjà eu des réservations. Et donc, s'ils souhaitent créer une offre pour les scolaires, il faut qu'ils cliquent sur ce bouton, créer une nouvelle offre. Et donc là, deux solutions leur sont proposées. Soit une offre pour le grand public, qui sera visible sur l'application pour les jeunes, soit une offre à destination d'un groupe scolaire. Donc, si vous êtes déjà référencé sur Adage en tant que bibliothèque, vous avez directement accès à ce formulaire. Ce formulaire, pour l'instant, il est accessible uniquement aux structures qui sont déjà référencées sur Adage. Et peu à peu, nous allons mettre en place avec la DRAC donc des commissions qui vont permettre à d'autres acteurs culturels d'y accéder. Mais pour l'instant, en tout cas, vous, en tant que bibliothèque, vous y avez déjà accès. Et sur ce formulaire, vous allez pouvoir renseigner votre proposition. Soit cette proposition vitrine, vous avez une idée de projet, vous souhaitez la proposer à des enseignants, soit un projet que vous êtes déjà en train de construire avec un établissement scolaire et que vous pouvez donc détailler ici en termes de catégories. Alors, les catégories ne sont pas très représentatives. On est en train de travailler pour les agrandir. Donc, par exemple, sur la question du livre, elles ne sont pas encore très, très présentes. Donc, on va mettre les conférences, c'est juste pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Imaginons donc c'est une rencontre. Le titre de l'offre, qui est ce titre qui va apparaître directement sur Adage pour les enseignants. Les enseignants, comme les jeunes, peuvent faire une recherche par mots-clés, ils peuvent faire une recherche par département également ou par ville sur Adage. Donc, s'il s'agit d'une offre un peu vitrine que vous ne dirigez pas vers un établissement en particulier, vous pouvez choisir le titre de votre choix, par exemple atelier. D'éloquence, mais imaginons que c'est un projet que vous construisez en partenariat déjà avec un établissement scolaire que vous avez identifié, vous pouvez même le signaler dans le titre, beaucoup le font et ça fonctionne très bien. Par exemple, c'est un atelier d'éloquence qui est à destination du lycée, je mets n'importe quoi, Rimbaud, parce qu'il y a plein de lycées qui s'appellent Rimbaud, et en plus c'est un grand lycée, donc c'est pour la classe de Madame Michaud. Voilà. Toute information en fait, qui permettra vraiment à l'enseignant de repérer plus facilement l'offre dans Adage. L'objectif vraiment dans ce titre, c'est si c'est une offre qui est à destination d'un établissement, c'est que l'enseignant puisse la repérer le plus vite possible. Donc, vous pouvez ajouter dans le titre toutes les infos que vous souhaiteriez. Ici, vous avez une description alors qui est importante parce qu'elle donne à voir ce que vous proposez pour l'enseignant. Aussi pour la direction de la culture du rectorat qui peut avoir connaissance aussi des différentes propositions qui sont faites. Elle est optionnelle si jamais vous aviez besoin de construire une proposition dans l'urgence avec un établissement scolaire. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le détail, mais elle est importante.
Vous pouvez indiquer la durée de l'intervention. Là aussi, si c'est une intervention sur plusieurs jours, c'est peut-être pas très indicatif, donc c'est optionnel. Les informations pratiques sur les lieux dans lesquels vont se dérouler vos actions, donc chez vous, dans l'établissement scolaire, hors les murs, qui sont des informations intéressantes pour les enseignants, qui sont intéressantes pour nous aussi, parce que lorsque nous ferons un bilan aussi de ce dispositif, il sera intéressant de savoir dans quelles sont les actions qui sont privilégiées. Vous pouvez aussi conduire des actions dans un lieu partenaire. Par exemple, si vous étiez en lien avec un théâtre, vous pourriez indiquer aussi le nom du théâtre et donc inviter les établissements scolaires à se rendre dans ce théâtre. Le niveau de classe qui est concerné, vous pouvez cocher toutes les cases si vous le souhaitez. Et donc, si sont intégrés d'autres établissements, on rajoutera bien sûr des cases ici. L'accessibilité, ce qui est importante, notamment si ça a lieu dans votre structure, qui est, elle, obligatoire. Donc, je vais cliquer sur les cases obligatoires pour qu'on puisse passer à l'étape suivante. Et le contact, qui est particulièrement important, puisque c'est ce que les enseignants voient sur... on va mettre téléphone, voilà. C'est ce qu'ils vont voir sur Adage. Ils vont avoir une fiche contact, ils vont leur permettre de vous appeler, et ils le font. Et la possibilité d'être notifié par email des réservations, ça aussi, je vous le conseille, puisque ça vous permet de faire ça vous permettra de faire un meilleur suivi des réservations. La seconde étape, vous avez deux possibilités. Soit vous connaissez déjà la date et le prix de la proposition. C'est-à-dire que vous avez déjà eu la phase de co-construction avec l'établissement scolaire, vous avez déjà échangé sur la date de l'action et sur le montant, ou alors c'est une action qui est liée à une programmation. Vous avez une projection au cinéma suivie d'une rencontre qui a lieu le 12 avril, donc l'action doit absolument avoir lieu le 12 avril. Vous pouvez sélectionner cette option. Mais si c'est une offre un peu générique que vous souhaitez faire, et adressé à différents établissements scolaires, vous pouvez aussi sélectionner la deuxième option qui vous permettra de ne pas renseigner de date, de ne pas renseigner de montant, mais d'être visible tout de même sur Adage et les enseignants pourront vous contacter pour définir la proposition avec vous. Donc, si imaginons que c'est le premier cas de figure, vous pouvez renseigner la date, donc le 29 avril à 11h. Le nombre de places, vous pouvez vous adresser à une ou plusieurs classes. Par contre, pour l'instant, vous ne pouvez vous adresser qu'à des classes d'un même établissement. Pour l'instant, on est en train de voir si on peut changer cet aspect-là. Mais si vous proposez donc une offre qui a une date et un montant, il faut savoir qu'elle doit s'adresser à un établissement. Si vous souhaitez proposer une même offre à plusieurs établissements, vous devrez la recréer à chaque fois que vous êtes en lien avec un établissement. C'est une offre, un établissement. Oui, vous aviez une question ? Ah, je ne vous entends pas, je crois que votre micro est coupé. Non. Oui, excusez-moi, c'était... Ah, c'est bon. Et du coup, j'ai une petite question sur l'aspect prix. Je ne sais pas forcément ce que ça veut dire. Est-ce que c'est nous, nos actions sont forcément gratuites pour le public et pour le lycéen? Par contre, elles ont un coût dans notre budget quand on invite la comédienne à faire son atelier. Qu'est-ce qu'on entend par prix sur la plateforme? Si vous invitez un intervenant extérieur qui a un coût pour vous, il faut que vous indiquiez le coût ici. Puisqu'en fait, le prix, c'est le montant qui vous sera versé, le paiement qui sera effectué alors par nos services. Donc, c'est le Pass Culture qui paye directement les acteurs culturels. Et donc, par exemple, vous pouvez inclure le devis de votre intervenant directement ici. Et si vous aviez une proposition gratuite, vous pouvez indiquer zéro également. Mais s'il y a un intervenant, il faut qu'il soit renseigné ici. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est de savoir sur quelle base on doit vous rembourser en tant que Pass Culture. Après, par contre, si pour l'établissement scolaire, il est intéressant d'avoir le détail, vous pouvez aussi ici apporter des informations complémentaires
et renseigner. Alors, par exemple, si parfois les cas de figure qu'on peut rencontrer, c'est que ce sont des montants par élève qui sont intéressants à renseigner ou toute information complémentaire, ou alors indiquer que le montant, imaginons, voilà, c'est une intervention de 650 euros pour, je mets n'importe quoi, hein, 38 élèves. Si ce montant, il peut être variable en fonction du nombre d'élèves, mais aussi en fonction d'options qui pourraient être réservées en plus, vous pouvez apporter des infos ici. D'accord. Et de la même manière, vous précisiez tout à l'heure que les transports ne sont pas compris, oui, que l'aspect technique n'est pas compris. Là, on est sur le montant du contrat avec l'intervenant. On est sur le montant du contrat avec l'intervenant, en effet, hors transport. Le transport, pour l'instant, il ne peut pas être pris en charge par le Pass Culture. Donc on verra l'année prochaine en effet sur ce sujet-là, mais oui, c'est vraiment ce montant, il concerne vos coûts vraiment internes et d'intervenants extérieurs également. D'accord. Et la date limite de réservation aussi que vous pouvez indiquer si cela a été nécessaire. Il faut savoir donc il y a un délai d'annulation pour les établissements scolaires. Mais au-delà de 15 jours avant la date de l'événement, ils ne peuvent plus annuler cette réservation. Donc, bien sûr, ils sont tenus informés, mais que la classe se rende ou non dans votre structure, vous serez payé donc du montant qui est affiché ici. Vous, par contre, côté acteur culturel, vous avez la possibilité d'annuler jusqu'au dernier moment une réservation en cas de difficulté. Alors c'est une possibilité qu'on a surtout laissée ouverte parce que lorsque le projet a été lancé, on était encore en phase de pandémie assez avancée, donc il y avait des possibilités d'annulation. Mais vous avez la main complètement là-dessus, de même que si l'établissement scolaire qui a réservé votre proposition n'est pas l'établissement scolaire à qui vous souhaitiez vous adresser. Vous pouvez annuler la réservation de l'établissement scolaire et puis éventuellement rentrer en contact avec cet établissement pour voir s'il est possible de monter un projet avec eux. Donc voilà, vous avez vraiment la main à ce sujet. Je vais vous montrer d'ailleurs comment fonctionnent les réservations, comment vous pouvez avoir accès au listing des réservations aussi sur cette plateforme. On va revenir sur le site de la commune d'Aix-en-Provence. Donc sur cet espace, vous pouvez faire bien sûr le suivi de vos réservations, de vos offres. Vous pouvez re-rentrer dans vos offres pour les modifier, sauf si elles ont été, à l'exception des offres qui ont déjà été réservées, mais tant qu'il n'y a pas eu de réservation, vous pouvez modifier vos propositions. Alors je ne sais pas si la bibliothèque Méjeanne a déjà eu des propositions pour les scolaires, on va voir. Donc ici, vous avez donc le nombre d'offres actives, le nombre de réservations cours, le nombre de réservations validées. Donc on va voir ici comment elles s'affichent. Donc ici, vous avez les réservations qui concernent aussi bien les jeunes individuellement que les scolaires. Après, vous pouvez faire bien sûr le tri. Si vous souhaitez vous emparer des deux volets du dispositif, vous pourrez faire le tri entre ces réservations. Il me semble que la bibliothèque Méjeanne a surtout des réservations individuelles pour l'instant. Donc ici, vous pouvez faire le suivi, bien sûr, des réservations. Donc, ils font des ateliers rap et slam. Vous voyez le nom du jeune. Vous avez son contact aussi. Donc, si jamais il y a une annulation, vous pouvez lui envoyer un mail, bien sûr, pour entrer en contact avec lui. Ou si vous devez lui envoyer des billets, par exemple, à l'avance, voilà, tout document que vous souhaiteriez. Vous pouvez les contacter. En fait, vous avez le droit de les contacter à partir du moment où ça concerne la proposition qu'ils ont réservée. Et vous voyez donc que les jeunes ont réservé des propositions. Certaines sont confirmées, c'est-à-dire que en fait, le délai d'annulation est passé. Donc, elles sont confirmées que le jeune se présente ou non, là aussi, à l'événement. Vous serez payé, notamment s'il y avait un intervenant, c'est particulièrement important. Les jeunes ont un petit délai pour annuler. Ils ont 72 heures pour annuler leur réservation. Et passé ce délai, ils ne peuvent plus annuler. Et là, oui, il y a un certain nombre de réservations qui sont validées. Donc, le délai n'est pas encore passé. Et donc, elles apparaissent en validé. Et on voit aussi, alors, qu'il y a un petit bouton là qui s'appelle Duo.
Et on voit que donc ça, ce sont des jeunes qui ont réservé une place en duo, c'est-à-dire qu'ils ont acheté deux places avec leur crédit au lieu d'une. Il est possible en fait de le permettre sur le Pass Culture. C'est à vous de décider si vous souhaitez permettre aux jeunes de réserver avec leur crédit deux places au lieu d'une. Mais ils se déplacent rarement seuls en fait, donc ils réservent souvent. Vous voyez, ils réservent très souvent en fait des offres à deux. Ils sortent avec des copains qui n'ont soit plus de crédit Pass Culture, soit qui n'ont pas encore, ils sont pas éligibles, plus éligibles au Pass Culture. Ça fonctionne hyper bien puisque ça permet aux jeunes aussi de parfois faire des sorties qu'ils ne feraient pas tout seuls, mais avec accompagné d'un copain, ils s'y rendent plus volontiers. Voilà. Et de même pour les scolaires. Alors, je vais vous montrer comment ça s'affiche puisque là il n'y a pas de réservation scolaire. On va aller voir sur un autre lieu qui pourrait en avoir. Il y en a peut-être. Peut-être pas sur le bout, parce que la commune d'Aix-en-Provence n'a pas encore beaucoup d'offres. On va aller voir sur un autre lieu. À Marseille, le cinéma L'Alhambra. Voilà, cinéma L'Alhambra. Alors, eux, ils ont beaucoup de réservations individuelles aussi, mais j'ose espérer qu'ils ont des réservations scolaires. Ils n'en ont pas encore. Je me suis trompée. Je ne suis pas allée sur mon compte. Ah voilà, ils en ont une. Donc vous voyez ici, il y a marqué offre collective. Ça apparaît juste au-dessus. Et donc ça, ce sont des offres pour les scolaires qui apparaissent aussi dans la liste. Et vous avez le contact de l'enseignant aussi pour pouvoir éventuellement apporter des précisions. Et si on clique sur cette réservation, donc on retombe sur la proposition. Et vous avez la possibilité, ici en haut à droite, d'annuler la réservation si nécessaire. Est-ce que vous aviez d'autres questions à ce sujet ou peut-être des projets en cours aussi ou des choses qui sont envisagées à travers ce dispositif ou des projets que vous souhaiteriez peut-être potentiellement faire financer par ce dispositif? Moi, j'avais une question. Je me demandais si ça n'allait pas quand même inciter les acteurs culturels à faire financer des dispositifs que jusqu'à présent, ils proposaient gratuitement. Alors, c'est un cas de figure qui ne s'est pas présenté jusqu'ici. Donc, on n'a pas encore beaucoup de recul sur, bien sûr, les usages qui sont faits autour de ce dispositif. Mais il me semble que c'est un cas de figure qui va rester très marginal. En tout cas, il n'y a pas du tout une tendance qui va vers ça. Au contraire, il y a plus une tendance à développer plutôt des projets qui n'étaient pas développés jusqu'ici, en associant notamment des intervenants qui n'étaient pas financés jusqu'ici. Notamment, on a un certain nombre d'auteurs qui nous contactent pour pouvoir faire des interventions dans les établissements scolaires, seuls ou en association, souvent avec des librairies ou avec des bibliothèques ou avec d'autres ou avec des associations, et qui n'intervenaient que très peu en fait jusqu'ici dans les établissements scolaires parce qu'ils n'avaient pas forcément, ils n'avaient pas encore saisi d'opportunités de financement. Donc au contraire, je pense qu'on va plus vers un développement de peut-être de nouveaux types de projets un peu différents. En tout cas, nous, c'est vers ça qu'on souhaite aller et c'est ce qu'on pousse à travers ce projet. C'est d'avoir quand même une liberté d'action à travers ce financement qui est assez grande et qui permet de construire des projets qui sont assez ambitieux. Les financements sont quand même assez importants. Par classe, ça fait un budget qui varie en fonction des effectifs et des politiques des établissements scolaires, mais environ on peut avoir jusqu'à 700 à 900 euros par classe par an pour développer un projet Pass Culture. Donc c'est un financement puisqu'il vient en plus des financements qui existent déjà. William, tu voulais ajouter quelque chose? Ah, on t'entend pas, il y a ton micro qui est coupé.
dans le chat, sinon, si ça ne marche pas. J'avais des questions dans le chat justement à ce sujet. C'est savez-vous pour combien de temps il est mis en place ? Non, alors nous, on se projette bien sûr sur le long terme. En tout cas, on est vraiment dans une phase de... On continue à développer, on développe énormément autour de ce dispositif. Après, il n'y a pas de visibilité pour l'instant. En tout cas, ce n'est pas un dispositif qui est envisagé pour avoir une durée de vie courte. Il est vraiment envisagé plutôt pour avoir des développements futurs. Blaise, il semblerait que ce soit vous qui avez coupé le micro de William. Ah, voilà. Ah. C'est bon. Comme je suis bavard. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que c'est intéressant pour nous d'aller à, comment dire, hameçonner, en fait, les établissements scolaires, en fait, avec qui on ne travaille pas jusqu'à maintenant, même si, en effet, ce sont des partenaires assez naturels pour nous dans les bibliothèques. Donc, c'est un vrai plus, du coup, d'aller échanger en fait avec les acteurs éducatifs et de leur proposer du coup une action qu'on répertoriera sur le pass, mais qui leur seront réservées. Et n'oubliez pas en fait que ça nous permet, nous aussi, en tant que bibliothèque où on n'a pas d'argent, enfin si je caricature, souvent on a des budgets d'action culturelle qui sont plutôt mini, mais là, quelque part, c'est nous qui pouvons nous faire financer certaines actions, c'est-à-dire que si vous proposez, en fait, comme disait tout à l'heure la collègue de Briançon, Corinne, si vous faites venir un auteur, et que ça a forcément un coût, ce qui peut être intéressant, c'est bien échanger en amont aussi avec et la collectivité dont vous dépendez et l'acteur éducatif qui pourrait, en fait, in fine, prendre en charge la venue de l'auteur. Et vous, ça vous permet aussi d'avoir une visibilité d'action culturelle avec quelqu'un que vous n'auriez pas pu faire venir parce que ça avait un coût pour la collectivité qu'elle n'était pas forcément en mesure d'avoir. Bon, ça, c'est le côté un peu cynique de la chose. Mais il ne faut pas oublier aussi que les acteurs éducatifs, jusqu'à maintenant, n'avaient pas d'argent sur l'action culturelle et que c'est une vraie opportunité pour eux, hein, dans les collèges, les lycées, et que du coup, ils vont s'en saisir. Donc, je pense que c'est vraiment pour nous extrêmement intéressant de voir avec eux qu'est-ce qu'on peut tricoter, parce que c'est un appel d'air pour eux qui est énorme et qui va nous permettre aussi de mettre en valeur ce qu'on fait déjà ou de construire avec eux des propositions. Même si, on fait des choses avec l'éducation nationale. Mais là, je pense que pour certains qui... n'avait pas cette possibilité financière de faire des choses, ça va nous permettre aussi de tricoter avec eux un partenariat un peu plus fort et du coup d'avoir peut-être un financement. Et ça, c'est intéressant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'en pense Roselyne, mais oui. Si je m'avance un peu sur ça. Mais... Non, complètement. Je suis complètement... Et c'est des choses qui se dessinent en tout cas dans ce sens-là. Et encore, on peut revenir aussi sur la question de la proximité. C'est vrai que pour l'instant, le transport ne peut pas être pris en charge par le dispositif Pass Culture. Mais vous êtes des acteurs de proximité. Et les établissements scolaires n'ont pas cette difficulté à se rendre dans vos lieux. Donc, vous avez tout intérêt, en effet, à vous emparer de ce dispositif. En tout cas, là, on rentre dans une phase, en plus, où il y a un fort... il y a eu une forte communication autour de ce dispositif et notamment énormément, en effet, de petits acteurs qui sont tout aussi légitimes à utiliser ce dispositif, qui s'inscrivent, mais qui aussi parfois peinent aussi à construire des actions seules et sont à la recherche aussi de structures culturelles partenaires potentielles. Et je pense qu'en termes de bibliothèque, vous avez aussi tout intérêt à vous associer à cette dynamique, à ces compagnies, à ces artistes, à ces auteurs, à ces illustrateurs qui souhaiteraient aussi s'emparer de ce dispositif et qui parfois ne souhaitent pas le faire seul non plus. Et de votre côté, vous avez tout un savoir-faire que bien sûr vous pouvez aussi mettre en avant. Isabelle, vous aviez une question, et Corinne également.
Je vois une main levée. Peut-être que c'est une ancienne main. Bon, c'était peut-être une ancienne main, mais j'en profite quand même. Peut-être que je me suis mal exprimée tout à l'heure et finalement vous vous êtes plus clair là-dessus. Le transport, je pensais au transport de l'intervenant. Dans les frais qu'on peut déclarer, c'est uniquement le montant de son intervention ou on peut aussi avoir des défraiements pour l'intervenant ou des choses comme ça? Non, vous pouvez avoir des défraiements, c'est vraiment le budget global de l'intervenant que vous pouvez inclure. Ok, bon, merci. Claire, merci beaucoup. En fait, les collègues ont fait vachement, vous faites vachement d'actions culturelles. Enfin, c'est assez naturel et c'est vrai que, comme disait Roselyne, c'est un moyen de mutualiser avec d'autres acteurs et de continuer en fait, ou en tout cas d'investir plus fortement la logique partenariale. Parce que c'est vrai que quand on travaille dans une bibliothèque rurale, on est peu, il y a peu de bras, on travaille, c'est vraiment. Ça occupe énormément, donc c'est vrai que du coup se dire nous, petite bibliothèque d'un village de 2000 habitants, enfin d'une petite ville de 2000 habitants, on peut être mutualisé, alors soit avec la bibliothèque de pas très loin, soit en effet avec la MJC pas très loin, et de réfléchir en fait à mener une action qui serait finançable par les deux parties ou alors par une partie mais que l'autre donnerait après en conventionnement financièrement pour le transfert de l'argent. Enfin, je pense que ça vaut le coup en fait de réfléchir dans nos territoires ruraux à comment on peut tisser avec d'autres acteurs pour pouvoir aussi montrer qu'on est là quoi. Moi j'ai été hyper, je vais être assez cash avec vous, mais lorsque Blaise en fait m'a amené dans le département, je suis pas de, comme vous en doutez peut-être, mais je suis pas de la montagne, c'est pas mon truc. Et en fait, je suis arrivé dans les Hautes-Alpes, il y avait moi j'ai rencontré des gens et des bibliothécaires ultra dynamiques en fait. Moi j'étais épaté parce que j'avais le cliché de la montagne. Uniquement touristique, avec trois clampins dedans. Et en fait, pas du tout. Donc, c'est bien parce que ça m'a enlevé mes clichés aussi sur ça. Et en fait, j'ai découvert des collègues bibliothécaires qui étaient ultra porteurs de projets, volonté de développer leur visibilité, de faire des choses. Enfin, moi, ça a été un vrai bol d'air, et pas uniquement d'air de la montagne, mais je me suis dit, mais en fait, les collègues, ils font vachement de choses. Qu'ils soient bénévoles ou pas être bénévoles, c'est même pas la question. Vous avez une vraie richesse, en fait, dans les Hautes-Alpes, qui n'est pas uniquement la richesse, en fait, patrimoniale, que ce soit patrimoine bâti ou immatériel, mais la richesse, en fait, c'est vos compétences. Donc, allez-y, servez-vous du passe culture, parce que c'est un vrai plus. Et puis moi, je vous tire mon chapeau parce que vous faites vraiment beaucoup de choses. Alors certes, Blaise m'en avait parlé, mais en allant rencontrer les collègues en local, j'ai vraiment pris conscience en fait des capacités que vous aviez. Donc vraiment, saisissez-vous de ça parce que ça sera justice faite parce que voilà, vous êtes vraiment des acteurs et des promoteurs dynamiques en fait. Donc allez-y. D'ailleurs, pour terminer juste là-dessus, il y a une vidéo qui est en train d'être produite par les jeunes de la mission locale de Gap sur le pass culture. Pour vous dire, voilà, même côté jeunes, ils sont extrêmement dynamiques autour de ce dispositif sur le territoire. Et donc, il y a des outils de promotion qui sont en train de être faits auprès des jeunes pour les jeunes. On est sur un territoire sur lequel le dispositif vraiment s'implante très, très bien. Il a juste besoin d'être alimenté en fait par des propositions d'acteurs culturels, mais je pense que assez naturellement les jeunes et les côté établissement scolaire séparé vont s'emparer en fait du dispositif. Donc il y a un premier intérêt qui est sur la part collective aussi d'être présent, ne serait-ce que peut-être à travers, même dans un premier temps, à travers une offre un peu vitrine. Donner à voir aux enseignants que vous êtes en capacité de mettre en place des projets avec eux.
Et ensuite, ils pourront au moins dans un premier temps rentrer en contact avec vous. Et après, vous pouvez vous lancer, si vous le souhaitez, dans en effet des projets peut-être un peu plus ambitieux. Il y a un premier enjeu déjà à être visible. Isabelle, oui. Oui. Vous m'entendez ou pas? Oui. Ok. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que sur le PDF, enfin, sur les actions collectives, il y a des montants par élève maximum. Non, alors ce n'est pas par élève, c'est vraiment le montant, il est attribué en fait à l'établissement scolaire. Il est calculé par élève puisque c'est des montants différents selon le niveau de classe de l'élève. Mais oui. Le budget est attribué à l'établissement scolaire. Et après, c'est le chef d'établissement qui choisit comment distribuer les budgets. Donc, si vous avez une offre qui dépasse ce montant par élève, vous avez tout à fait le droit de la proposer. Et on pourra tout à fait avoir des classes qui... n'ont pas du tout utilisé le budget Pass Culture parce qu'en fait, ils ont fait une sortie qui est gratuite et le budget pourrait être distribué sur une autre classe. Après, c'est le chef d'établissement qui pilote. En fait, les réservations se font en deux étapes. Il y a une première étape de pré-réservation qui est faite par les enseignants directement sur adage. Et après, il y a une deuxième étape qui est la confirmation par le chef d'établissement. Souvent, ils le font au fil de l'eau. Mais parfois, non. Parfois, ils préfèrent attendre aussi d'avoir, de voir l'ensemble des pré-réservations qui ont été faites pour pouvoir choisir, en fait, s'il y a beaucoup de demandes à choisir et mieux répartir les budgets. Marche. Merci. Moi, je voulais juste intervenir sur un point. Donc, nous, c'est vrai que c'est un dispositif que je trouve vraiment très, très, très bien. Enfin, ça peut vraiment être très, très positif hein, pour les bibliothèques. Donc, nous, bibliothèques départementales, bien entendu, on communique en direction de ce dispositif hein, pour inciter les bibliothèques à s'inscrire. On va continuer de le faire puisque je pense qu'il y a encore beaucoup de bibliothèques qu'il faut convaincre. On peut aussi potentiellement, nos bibliothèques départementales, éventuellement s'inscrire dans ce cadre si on a des actions directes. Mais je me demandais si vous avez des exemples de rôles que pourraient jouer ou d'actions que pourraient jouer les bibliothèques départementales au sein du Pass Culture, avec le Pass Culture, en faveur des bibliothèques. Est-ce que vous avez des retours d'expérience de ce point de vue-là? On n'a pas beaucoup de retours d'expérience parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'expérimentations faites, mais on a des pistes. Alors oui, bien sûr, il y a ce rôle un peu de prescripteur, de formation qu'on peut conduire ensemble auprès du réseau, qu'on peut reconduire, mais il me semble qu'il y a aussi potentiellement un rôle aussi sur peut-être certains temps forts annuels, notamment sur une zone de montagne sur lesquelles il y a énormément de petites bibliothèques qui peut-être ne vont pas toutes s'inscrire sur le Pass Culture, pour rendre visibles peut-être certains grands événements. Et il y a eu des tentatives, il me semble, par exemple pour les nuits de la lecture, sur certaines zones rurales, de faire porter la programmation par la bibliothèque départementale. Donc, au niveau de par exemple, sur la bibliothèque départementale, c'est créer un compte Pass Culture à référencer l'ensemble des établissements, l'ensemble des bibliothèques, parce que ça, c'est possible, et proposer donc de renseigner elles-mêmes les différentes propositions qui étaient faites, qui étaient gratuites en plus, sur son territoire. Ce qui a permis à des toutes petites bibliothèques gérées par des bénévoles de pouvoir être présentes, d'avoir une visibilité sur l'application, malgré tout. Ça, c'est des choses qui sont possibles. En fait, en tant que structure, de façon générale, hein, vous avez la possibilité de renseigner sur votre compte un lieu culturel qui n'est pas géré par votre structure juridique directement. D'autant plus s'il n'y a pas de question de réservation, de suivi des réservations, de suivi de la jauge, si c'est un événement en entrée libre, il peut être tout à fait référencé directement sur le compte de la bibliothèque départementale. C'est une piste, hein, mais c'est des choses qui pourraient être intéressantes, il me semble, pour un territoire comme le vôtre. Très bien, merci.
Typiquement, typiquement culturissime pourrait être affiché dans le pass culture. Oui, pourquoi pas, il faut qu'on, j'y pense, je pensais à ça justement. On va y réfléchir. Ouais. Et Corinne nous a quitté, j'ai pas eu le temps de la remercier, mais je vous enverrai bien sûr la présentation. Si vous avez besoin après, dans un second temps, d'être accompagné individuellement dans la prise en main de la plateforme, c'est possible. Ce que je peux vous proposer, c'est peut-être de vous envoyer à Blaise un mail qui vous transférera, bien sûr, avec toutes les informations pour pouvoir vous inscrire et tous les liens qui seraient nécessaires. On a un certain nombre de tutoriels en ligne. Enfin, on a énormément vraiment de données qui vous permettent d'être assez autonome. Et après, si vous avez bien sûr besoin de prendre un temps avec nous de prise en main de l'application, on peut reprendre bien sûr un rendez-vous téléphonique ou en visio, ou même si besoin venir, puisqu'on n'est pas si loin. Ça c'est possible. Si on vient volontiers à la montagne, hein, vous pouvez nous inviter, on sera très, très content de venir. De toute façon, moi, ce que je ferai, c'est que je pense que je vais faire un petit article sur notre portail. Je mettrai tous les éléments que vous m'enverrez, Roselyne. Je mettrai, je pense, aussi un lien vers la vidéo, là, vers l'enregistrement. Bien sûr. Et puis, comme ça, et puis je communiquerai en direction de toutes les bibliothèques du département. Super, parfait. Eh ben, merci en tout cas. Et ah oui, dernière chose, bien sûr, si vous avez des temps forts, un événement qui est prévu pour l'année à venir, qui vous semble vraiment particulièrement intéressant à mettre en avant sur l'application pour les jeunes, je pense surtout à la part individuelle. N'hésitez pas là aussi, vous aurez mes contacts, mais à me le communiquer, parce qu'on est vraiment en demande aussi d'identifier les temps forts sur les territoires, soit pour pouvoir les mettre en avant, bien sûr, auprès des jeunes, mais éventuellement aussi pour pouvoir peut-être créer... monter des projets en partenariat avec vous autour de ces temps forts. Donc, n'hésitez pas là aussi à nous contacter directement pour nous les signaler, parce qu'on passe parfois à côté de certains événements. Et c'est vraiment important pour nous aussi de pouvoir travailler avec vous sur ces temps un petit peu particuliers. Très bien. Merci beaucoup. Et ben merci à vous. Merci de ce temps. Et puis, on reste en contact pour la suite. Très bien. Merci. À bientôt. Allez, au revoir. Très bonne journée à tous. Très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.